Attendez, j'ai relancé le record YouTube, j'avais oublié de lancer le record YouTube. C'est bon, YouTube a rien raté. Hein. La vente. Tien a juste changé de perso, il est passé d'un vieux riche à d'un vieux pauvre à un vieux riche. Je suis un vieux riche. Je suis. Mais c'est bizarre, il fallait pas les foutre dans une boîte ou je sais pas quoi. Non, c'était il fallait les mettre sur elle normalement. Il faut juste placer les pièces dedans. Les objets. Bon bah peut-être que ça marche pas, hein. Au pire laissez les objets que vous avez rien. Mais c'est bizarre parce qu'on pouvait les vendre avant. Ouais, c'est pour ça que je comprends. Ah, attends, en bas, espace. Ah putain, oui c'est... Ah bah quand je vous disais les gars se sont mis à fouiller dans tous les coins, c'est pas bon, j'avais oublié que c'était ça. Mais regardez plutôt ce que j'ai à vendre. Des délicieux chocopins de gourmandise. Ah mais putain, elle aurait pu être dans notre groupe, gourmandise. Bah, j'ai aussi quelques lances que les gars n'ont pas pensé à confisquer. Ma boussole. Des lances et un bouclier. Et c'est incroyable, le bouclier démoniaque venu tout droit d'Osmanie. Archibald, où est ma boussole? Rends-moi ma boussole. Qui a pris ma boussole? C'est pas moi qui l'ai. Et bien sûr, j'ai acheté tous les objets qui vous encombrent. Je regarde après. C'est pas moi qui l'ai, je crois. J'ai pas ta boussole. Non, je l'ai pas. Bah, elle est passée où ma boussole? The fuck. Tu l'as pas balancée quelque part? Ouais, c'est ça. Ah, hein. Et là, tu peux vendre. T'as dû la bazarder dans le décor. Oh non! Ouais. Ok, je le cède. C'est pas grave, tu peux quand même piquer la pièce à Galactar. Mais c'est mon argent! Plein, voilà. Non mais... Ça va, t'as 10 balles! Ça va, t'as 10 balles! T'as 10 ouais, balles! Mais moi, c'est mes objets! Eh, hey, la dernière fois, qui c'est qui a payé les frais d'entrée dans le palais? Qui c'est? Bah... Ah! 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 Non mais parce que, hein? Parce que les 6 balles que j'ai sorties de ma poche, moi, je les ai toujours dans le cul, hein! Donc à un moment, toi, t'es là avec ton fric, là, à un moment... Tiens, tu pourrais même vendre l'urne funéraire oui, de Bougon. Vendre, je peux vendre Bougon, oui. Moi, il faut que je... C'est qui Bougon, d'ailleurs? Oh merde! Ah, le vieux. Moi. Ah! Est-ce que je peux pas récupérer ce que je valais? Non. Bah, après, ce que je peux faire, c'est te passer l'argent de l'urne et que tu t'achètes une lance ou un bouclier ou quoi. Ouais, j'aurais bien acheté un truc. Pour le bouclier démoniaque, il a l'air. Après, il faut pas que Raoul. J'avoue, tes sous, quoi. Bah, j'avoue, ouais. Faudrait alors, pas, ouais. Vous lui volez pas les sous, faudrait c'est, pas, pour, hein. C'est pour Archibald. Faudrait hein. Pas qu'on lui vole, hein. Putain. Voilà. Bien joué. Encore à moi de payer. Okay. Ah, tu t'as pris une lance? Tiens. Non, mais pourquoi vous avez mis toutes ces pièces? Merci. C'est pour lui. J'ai des stats un peu. Ah, d'accord. Est-ce que. Mais tu peux avoir que deux équipements? Mais tu peux avoir que deux équipements? Merci. Parce que si tu. Moi, je veux bien la lance de garde et puis je te donne mon épée. Bah, non, mais tu vas pas lui filer des trucs. Ah, oui. Bah, oui, mais la lance de garde, elle est mieux pour toi. Elle est mieux pour toi, mentir, convaincre. T'es pas un guerrier, toi, t'es un voleur. C'est mieux pour toi, mentir, convaincre. Que Dex. Enfin, tu me diras, ça dépend si tu cherches à avoir un déséquilibre ou justement équilibrer ton perso. À mineur, bah... je préfère équilibrer. Ouais, je suis 45 en mentir convaincre, mais tu vois, en combat, je suis à 54, je pourrais être plus haut. Voilà, voilà. C'est vrai que tu pourrais être plus haut que moi qui suis déjà plus haut. Bah là, on a le spécialiste en connaissance, quoi. Oui, ça c'est sûr, ouais. Et moi, j'ai les palmes divines de Gloutoun et le bidule étrange qui réalisera la... Qui... Non, bien sûr que non. T'es fou, quoi. Les palmes. Si, t'avais dit que tu voulais vendre les palmes. Non. Je pensais que tu les avais... j'ai foutu non, non. Ma boussole. Et j'ai le bidule étrange qui réalisera la prophétie aussi. Ah, c'est sûr que moi, niveau connaissance et niveau courir, moi, je suis quelqu'un qui fuit beaucoup. C'est bon, vous avez fini vos emplettes? Ben moi, j'aurais pu avoir deux PO, mais j'ai pas eu ma boussole. Où est-ce qu'elle est passée? Tu voulais acheter quoi? Bah j'ai qu'un PO donc rien, mais c'était juste pour essayer d'avoir un peu plus pour un prochain achat. Bon, c'est pas grave. Allez hop. À deux. Merci pour vos achats. Et à bientôt. Reposons la route vers le port. Oh non, on les garde. Ah, super. Et vous, pas de plus. Ah bon, bah voilà, okay. Les gens sont proactifs sur les voies, parfait. C'est moi qui la faisais, ouais. Au nom de la reine Julia, vous êtes en état d'arrestation. Fuyons. Je sais pas si c'était moi, mais... C'était Ron. Ah bon, c'était moi? Ouais. Hop, hop, hop. Où vous croyez aller comme ça? On ne reparlera jamais de ça. Ah, bah super. Nous n'avons pas le temps pour ces bêtises. C'est ça. Suivez-nous sans moufter. Je tiens un petit peu... à faire remarquer que je suis innocent dans cette histoire. C'est bah... Je n'ai encore rien fait. Pour une fois, c'est pas moi qui ai des problèmes. On s'est fait enfermer. Tu vas voir que tous les trucs qu'on a pris du temps à acheter, machin, etc. Tout ça, on va se les faire confisquer. Moi, je m'en fous, j'ai rien c'est certain. Mais moi, j'ai le bidule étrange de la prophétie et les palmes de Gloutoun dans mon inventaire.
Et moi j'ai un beau couteau. Moi aussi. Il est très beau, mon couteau. L'heure du procès a sonné. L'heure du procès. Ah mais attends, mais le jeu est pas fort du tout. Attends, voilà. Le véritable visage de Grand-Duc. Très bien, c'est parti. Alors, survivre au procès. Ok, faire condamner Grand-Duc. Lâcher la foule contre Grand-Duc. Et un objectif secret. Lâcher la foule contre Grand-Duc, vous êtes prêts? Je vais faire usage de mes dons de mensonge. Vas-y, vas-y. Ça va être incroyable. Moi j'ai des preuves. Aussi, j'en ai pas mal, du coup je fais. Qui fait la reine Julia? Vous voulez que je la fasse? Non, vas-y, je la fais. Vas-y. Non, moi je faisais le Grand-Duc, pardon. Je fais le Grand-Duc. Bon, bah alors, bien. Le grand procès peut commencer. Elle a l'air de zozoter, non? Garde. Oui. Ah oui. Ah oui, oula, oula, oula. Attends, dans ce cas-là. Attends. Qu'est-ce que vous faites là encore comme cochonnerie là? Légèrement low pitch. High pitch, pardon. Je pense. Non, attends. Comme ça. Voilà. Garde, détassez-les qu'ils puissent se défendre. Dans la vie, il faut savoir rebondir. La parole est à l'accusation. Grand-Duc, présentez les sages à la cour. Votre majesté, ces personnes sont coupables des crimes les plus affreux. Vandalisme, vol, meurtre et même. De vouloir prendre votre place sur le trône. Oh, quoi? Je s'appelle Rousse, mais vous êtes Totoro le Gris. Isaurus, oui, Totoro le Gris. Ah, je sais pas. Objection, majesté. C'est Grand-Duc qui complote contre vous. Il cherche à récupérer les trois reliques divines pour devenir roi d'Aria. Alors moi, je suis dans la merde, hein, j'ai une des reliques. Je vous avais dit qu'il fallait qu'on garde les preuves à tout prix, hein. Oui. Techniquement, j'en ai une. Moi aussi. Super Tefa, David Jaune, Pompers, Pompzer et même Rick, très bien. Pompzer. Voilà des accusations bien graves que ce procès doit éclaircir. Peuple d'Aria, votre voix fait loi. Je me soumettrai à votre décision. Bah, super. Super la reine. Mais qui croire? Mais qui croire? Oh là là! Laissez-moi vous aider à choisir. Oh, il est sérieux? Ah ouais! Vive Grand-Duc! L'issue de ce procès va reposer sur la foule. Si vous avez un peu d'argent à donner, c'est maintenant ou jamais. Oh, je Allons-y. Peux. Corrompre la foule, allez, c'est parti! Allez, c'est parti! Donnez, faites-vous plaisir. Il faut leur donner, je crois, non? Oui, voilà, c'est ça. Oui, faut leur donner. Encore à moi de payer? A-t-on besoin d'or quand on peut chanter? Bon, bah d'accord, j'ai donné de l'argent, personne ne les a utilisés. Non, c'est plus personne à corrompre, je crois. Ouais. J'ai donné mon seul PO que j'avais. Hein. Et bah attends, tu sais quoi? Je vais te le rembourser. Ah. T'es où? Oh, je suis ici. Alors, pause. Voilà. Je colle. Il faut que ce soit Auron qui le prenne. Ah, ça va prendre. Merci beaucoup. Peuple d'Aria, je vous écoute. Espérons qu'on les a assez payés. Ah ouais? Ah bah Grand-Duc! Ah oui, c'était vite, hein. Oui. Bravo, vous avez retourné la foule contre Grand-Duc. C'est quoi ce procès débile? Oui, c'est clair. J'accorde donc un point aux accusés. Ah bah voyons. Mais ce n'est pas possible, je ne vais pas laisser passer ça. Allons, Grand-Duc, calmez-vous, respectez la voix du peuple. Les accusations que vous portez sont graves, je vais vous demander de présenter des preuves. Oh, j'en ai des preuves. J'ai encore mieux, majesté. Des témoins. Oh là. Que le premier s'avance. J'appelle Rolouski, garde au service de votre majesté. Oh non, l'ivrogne. C'est mon pote. Le sujet provoqué à bord du soleil. Ah oui, je l'ai posé dans l'eau, c'est vrai. Grand-Duc disait la vérité, alors? Non, c'est pas moi qui l'ai poussé à l'eau. Non, je me suis... Eh bien, accusé, qu'avez-vous à répondre? Contre-interroger le témoin, lui proposer un coup à boire, je m'en occupe. Ah non, merde, je peux pas. Ah, c'est Auron qui doit faire ça. C'est Auron qui doit faire ça, moi je vais le contre-interroger. Je vais le contre-interroger. Et du coup, il faut que vous encouragiez le contre-interrogatoire, je pense. J'ai 80%, non mais c'est marqué nos chances. Hein. D'accord. Bah oui, c'est marqué au-dessus, oui. C'est chance. Banco.
Ok. Je vais lui proposer un coup à boire. Hé, hey, Roy. Oui. Non, on. Un jeu d'enfant. Merci, tu rates. Ouais, ça va. C'était le moment où t'avais pas intérêt à te chier, hein. Oui. Vas-y, allez boire un petit coup. Eps. Avec plaisir. Eps, Roy. Tu trouves pas ça triste de boire tout seul? Oh, c'est vrai. Il va filer à l'arrêt. Juste, vous accepterez de traquer avec moi. Ça ne va pas, il est interdit de boire pendant votre service. C'est donc ça le niveau de la garde royale. N'hésitez pas hein, quand il y a le public à faire des chuchotements et des... C'est vrai. Il faut que ça vive, on veut une prod niveau Phoenix Wright, d'accord? Grand Duc, il va m'être difficile de croire votre témoin maintenant. Ah, plein d'altérations et tout. Éloquent, oh là, plus 10. Laissez-moi contre-interroger le témoin. Je vous écoute. Ah ouais, là, 90%, ça va être compliqué, là. Allez, on compte sur toi. Tu peux le faire. Facile. Non, mais 90%, on est d'accord que j'ai pas besoin d'un fan. 90%, je pense qu'il y a même pas besoin, ouais. On peut le faire, hein, en vrai, hein, ça fait quoi? Vas-y, hein, écoute. Non, comment je les enlève? Comment je les... Bah, il a toute la vie. Si je rate, je vous jure, je fais un scandale. Tu peux pas rater, là. Tu peux pas. Oh là 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 là. Non, mais non, je voulais les enlever, je voulais les annuler. Ça va, t'en as regagné. Putain. Roiluski, quelle raison Grand-Duc vous a donné pour nous arrêter? Juste, pas qu'il en ait donné. Étonnant! Et vous avez quand même appliqué son ordre? Oh bah, il nous dit rarement pourquoi on doit arrêter les gens, hein. Oh. Hyperbole. Quoi, il y en avait un qui s'appelait Kemax? J'ai du mal à croire le témoignage d'un ivrogne. Alors demandez à vos autres gardes. Majesté, c'est vrai que Grand-Duc nous demande souvent d'arrêter quelqu'un sans motif. Et à chaque fois, il s'ajoute d'un autre ordre de votre majesté. La personne a parlé deux fois de suite. C'est pas grave. Grand Duc, ça ressemble à une utilisation abusive de vos pouvoirs. Bah, t'es plus... Bah si, je l'ai toujours, éloquent. C'est bizarre. Ouais. Malgré les éléments contre Grand Duc, l'affaire Seven Eden est préoccupante. Roiluski, un garde d'Aria, se doit d'être irréprochable. Je vous démets donc de vos fonctions et demande à la cour de ne pas tenir compte de votre témoignage. Oh merde. Oh non, putain. Je déclare le témoignage en faveur des accusés, il gagne un point. Ouais, on a encore un point. Ouais. Plus grand duc attaque, il est père. Voilà, c'est incroyable. Incapable. Pauvre Roy. Moi, j'étais avant de faire entrer mon deuxième témoin, je préfère vous prévenir. Il n'est pas bourré. Les faits rapportés sont bien plus affreux. Oh bah oui. Non. Et voici Isnoflood, un humble commerçant d'Aria. Voleur de poules. Malheureusement, sa rencontre avec les accusés l'a mis au bord de la faillite. Ouais, on a fait que des réussites critiques avec toi là. Oui, je leur ai offert des brochettes et ils en ont profité pour voler ma poule. Des voleurs. Oh là là. Oh là là. Ah, merci Zachuro. Ah, c'est le vieux! Attendez! C'est lui, non? Qui c'est qui l'avait doublé celui-là? Oui, je sais plus. C'était pas moi en tout cas. Non, c'est. On a voiture. Il la faisait. J'ai aussi une plainte contre les accusés. Ils ont refusé. Oh merde! Oh merde! Oh merde! Pour leur faute, j'ai passé la journée à chercher ma chère pâte à crêpes. Ah, oups. Oh merde. Ah bah voilà, mais c'est ma poule. Tu vois. Votre majesté, ces gens ne sont pas des gens bien. Ça me paraît une évidence, vous accordez un point grand duc. Et bah voilà. Majesté, on peut tout vous expliquer. Pâte à crêpes est un secret et nous pouvons vous le dévoiler. J'ai eu un bug. Vous n'allez pas expliquer. En plus, ton pouvoir. Allez, Patacrète, pour nous un bel enfant d'or. Voilà. Pas content. Vous voyez bien qu'il raconte n'importe quoi.
Rassurez Patacrète, interrogez Patacrète. Attends. Moi, je vais l'interroger, je vais l'interroger. Non, je peux la rassurer. Je la rassure. On sait que... Faire pondre Patacrète. Non, mais ça va être n'importe quoi. Ça va être n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ces propositions? On n'a pas le choix aussi. Je peux pas rester ailleurs. Patacrète, il suffit que tu expliques la situation. Contente. Ah oui, bien, très bien, j'adore, bravo la poule. Celui qui a doublé est meilleur que moi. Très bon doublage de poule. Qu'est-ce qu'elle raconte? Oh, je sais pas. Ah, c'est pas moi, merde. Je pensais que c'était moi. Ah, toi, ça te coûte du fric. Ça te coûte du fric. Oh, le personnage de merde. Ah, j'avoue. Ouais, en vrai, 85, ça va. Et là, 100. Ça va. C'est un 6, quoi. Là, c'est critique. Natural crit. Majesté, pas de la crête, une poule magique. La poule magique. Poule magique. Elle explique qu'elle voyage à travers le monde pour répandre le bonheur autour d'elle. Comment on est en train de la gaslight? Malheureusement, elle s'est fait capturer par Isnofood qui prévoyait de la manger. Avec l'aide de Luxfos, elle aspire à aider le plus grand nombre de gens. Oh là là, c'est beau. Vive Patacrète. Vive Patacrète. Tiens, t'as un... Enfin, Majesté, vous n'allez pas croire de ce tissu DMC. Au contraire, Grand Duc, puisque la foule est convaincue, je valide ce témoignage. Hey. C'est bien, Patacrète. Maintenant, on va te demander de pondre. Putain, t'es à plus. Et je vais te mettre en bonne condition. C'est parti. 90%. T'as 90. De toute façon, j'ai plus rien, donc... Soit tu fais un échec critique, hein. Wouah, c'est un scandale. Patacrète, tout va bien se passer. Tu es entouré d'amis. Avec nous, ton secret est bien gardé. Oui, tu peux nous faire confiance. Majesté, arrêtons cette mascarade. Laissons-les aller au bout de leur démonstration. Et maintenant que tu es rassuré, Patacrète, je vais pouvoir te détendre. Joue pas au con. Parce que je pense que même si tu trates, en vrai, elle peut le faire, elle peut la faire pondre. Ouais, vas-y. Tranquille. Bon, d'accord. Le début s'est bien passé. Ça va. Le début s'est bien passé. Mais Patacrète, laisse-toi faire. Oh là là. Elle a l'air vraiment étendue maintenant. Oh là là. On a fait de notre mieux. À toi maintenant. Merci. Je vais tâcher d'être digne de vos efforts. Waouh. Oh putain, j'en ai 4. Waouh, 40. Ah bon? Majesté, voilà le grand secret illuminé. De Patacrète. Elle pond des œufs en or. Mais comment t'as eu ces 4 bœufs? Bah, c'est à cause de vous. Parce que vous ah oui, d'accord. Excellent. Quoi? Démonstration. 90%. Bah, ça sert à rien. Bitch. Mais pourquoi? Laisse-moi t'aider, Patacrète. What the fuck? Non, laissez-le. Bœuf d'or carré, laissez-le. Attendez, Patacrète a un petit cadeau pour tout le monde. Ouais, wow. Ah ouais? What the fuck? Ok, GG. Incroyable. Je comprends mieux pourquoi les accusés ont volé Patacrète. Oui, maintenant je veux qu'on me la rende. Sûrement pas, une poule comme ça ne mérite pas de finir en brossette. Luxo, je vous remercie. Votre poule a bien aidé le peuple d'Aria aujourd'hui. Laissez ça par pitié. Ils font tout niquer. Pour service rendu à la couronne d'Aria, j'offre un pont aux accusés. Ouais, bravo. Majesté, je l'aimerais maintenant présenter mon témoin. Bon, je le garde en attendant. Non mais sérieux? Mais... Bon. Quoi? Quel témoin? Je vous présente. Ah, oh, Tom Mystérieux. Ben oui, Tom Mystérieux, ouais, qui avait failli se faire buter. Oui, ouais. Qu'on a sauvé. T'es toujours Walt. Ce n'est plus un procès, mais un cirque. Présence de la reine. Pardonnez-moi, accoutrement, je reviens de mission. Peu importe les apparences, je vous écoute. Based. Majesté, regardez sa tenue. Vous n'allez pas prendre son témoignage au sérieux. Bah si, justement. Vole la vérité compte et que quelques soit la bouche qu'il exprime. Based bis.
Majesté, je viens dénoncer le complot dont j'ai été témoin. Votre témoignage est crucial. Ne nous épargnez aucun détail. Oui, votre majesté. Alors, le matin que je me réveille de bonne heure, sauf si je me suis couché tard. Voilà, t'es gueule. Une fois debout, je fais quelques exercices avant le petit déjeuner. Et voilà, tout le monde dort. Puis je me prépare à partir à la boucherie sans oublier d'arroser d'abord mes... On voit pas. On voit pas Tienne. Ah, oui, c'est Toto. Pardon. Et j'ai perdu les fils, de quoi on parlait déjà? On parle là. Si il continue à tourner autour du pauvre, son témoignage va durer des heures. Je sais. De nous en posant les bonnes questions. Alors. L'action est ma seule option. Ça, il en a plus vu que c'est moi qui l'ai. Ouais. Je pense que c'est important. Quel poste occupé? Non, ça aidera pas. Bah, il était soldat. Mais décris-nous ce que tu as fait, c'est bien aussi, je pense. J'achète. Mais comment tu étais habillé? Ah oui, comment il était habillé, ça va aider. Je sais pas. Oui. Pas comme ça en tout cas. C'est mystérieux. Peux-tu m'expliquer expliquer à la cour de quel complot tu parles? Oui, bien sûr, du complot des légats pour destituer la reine Julia. Peux-tu nous décrire ce que tu as fait au sein des légats? Eh bien, nous avons kidnappé des gens, piqué dans les caisses du royaume... Lui, il est vraiment incroyablement con. Vous décrivez là de sérieux crimes? Et pendant ces méfaits, tu portais une tenue particulière. Peux-tu nous la montrer? Ah non, oui, mais s'il faut la montrer, ben non, oui. Oui, bien sûr. Facile. Merci pour cette présentation, Tom Mystérieux. Mais il reste la question la plus importante. Qui est à la tête du complot? Ah, c'est facile, c'est Grand Duc. C'est le gars qui balance comme ça. Calomnie. C'est faux! La paix d'Aria, qu'en pensez-vous? Ah bah Grand Duc! Qui crève! Mangez les riches! Sauf la reine Julia! Waouh, ils l'ont défoncé! Oh, confère l'altération maladie! tiens, prends ça! Aïe! Arrêtez! Un peu de calme dans la salle! On va retirer ses plaintes parce que c'est chaud. Votre témoin m'a convaincu. Le point va donc aux accusés. Ouais, encore. Ah mais enfin, majesté. Vous voulez vraiment que Tom Mystérieux continue à témoigner? Non, continuons. Très bien, je vous remercie, Tom Mystérieux. Au revoir. Accusez-vous une dernière déclaration avant de passer au verdict? Ah. L'épreuve, c'est le moment. Bien sûr. Bah il faut lui donner, je crois. Attendez, un par un. Cet objet a bien vécu. Ah bah voilà. C'est bien parce que c'est vous. Voilà, c'est bon. Bah, y en a pas d'autres, hein, on est là. Y en a pas d'autres. Non, on en a pas. On avait peut-être dans les poches de Tienne qui était le principal mec en vie à ce moment-là, mais... On a tout récupéré. Grand Duc, des preuves vous accusent. Ces preuves sont montées de toutes pièces, voyons. Le nombre rend votre position difficilement tenable. Bien, j'en ai assez entendu, je peux rendre mon verdict. Grand-Duc, je vous... Attendez, j'ai une dernière preuve irréfutable. Vas-y. Un document signé de leurs mains qui décrit leur complot contre vous. Ah merde. Vos manigances ne fonctionneront plus avec moi, Grand-Duc. Tout au long du procès, les accusés ont su démontrer leur innocence. Et révéler la culpabilité du Grand-Duc. Ne pensez pas à l'œuf qui est plus là. C'est pourquoi Grand-Duc se vous condamne. Ah bah oui. Pardon. Prenez-vous. Le mec il a Walt maintenant. Oh. Attends, montre. Tu l'as mis où, hein? Putain, tu t'es trompé, tu l'as jeté dans le décor. Ah bon? Là, ouais, là. Elle est derrière, attends. Elle est là. Ah, c'est ce qui est arrivé à ma... Putain, ça le coup. Montre ce qu'il y a. Attends, je veux voir ce qu'il y a. Mais c'est moi qui étais plus rapide. Putain, plus 10 sans mentir et convaincre. Tienne, vas-y, fais pas le ratcho là. Tienne, putain.
C'est vrai que t'as 5 étoiles. C'est vrai qu'il avait eu en plus. Voleur. Techniquement, tu visites. Putain. Auron, il écoute même pas en plus. Je pique tout, moi. En fou. Auron, il lit même pas. Tiens, je te donne du combattre. Tu veux du combattre? J'ai déjà du combattre. Bah oui, il a déjà ça. Mais tu peux avoir du combattre et du mentir sur l'autre. Bah au pire, à la place de connaissance. Oui, tiens. Vas-y. Voilà. Elle coûte 4, hein. C'est pas mal aussi avant. S'en fout, ça trade. Incroyable. Putain, j'avais oublié ces trucs là. Attention, ça va pas. C'est insupportable. Insupportable. Bon, allez, continuons. Auron ? Oui. Lâchez-moi. Ça ne se finira pas. C'est terrible parce que dès qu'il y a un bout de loot qui tombe par terre, on oublie tout quoi. Emmenez-le. Au revoir. Les gars, à moi. Ah mon dieu. Et les gars. Oh mon dieu. Mais qu'est-ce que ça signifie? Battle. Oh là, il a renversé les gars tout seul. Je préfère ça. Et maintenant, majesté, je voudrais votre relique divine. Mais qu'est-ce que... Non. Ma couronne. Ah non, il a pris la couronne. Tien, il est en train de faire son inventaire. Tien, Tien, le scénario, il s'en bat les couilles. Je vous max, je vous prépare. Battle. Hop 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 hop, c'est ici que nos chemins se séparent. La prochaine fois que vous me verrez, je serai roi d'Aria. Alors déjà, faudrait mais on peut rien faire. Ma baguette. Qu'est-ce que vous attendez? Partons dans ça pour ce loot. Ouais, let's go. Sauvez la couronne. Merde, on n'a pas réussi à lâcher la foule sur le Je pense que c'est parce qu'il a eu un point. Oui, je pense aussi. Ah. Putain, mais les bruitages sont hyper inégaux avec la musique, c'est terrible. Oui. Oh, j'ai 5 points, let's go. Bah oui, t'as la mis Roy au chaud. Ah putain. Let's go. Le pauvre. Oh là là, mentir, convaincre, on va toujours plus loin. Je vais mettre un peu de discrétion, ça peut toujours servir. Moi je vais mettre un PV pour éviter de mourir. Toujours plus de combats, let's go. Alors techniquement si t'as besoin de PV, il y a Archibald qui a une armure avec des PV. Non non mais c'est... J'ai pas envie d'avoir de l'armure en plus, j'ai bien mon 10%, c'est très bien moi. Mon inventaire est très bien. Il y a juste ça qui est pas si ouf je crois. C'est quoi déjà? C'est juste plus 5% en mentir je crois. Bon après tu peux remplacer avec un des deux trucs en bas ou bien. J'adore comment le gars il est très chaud, il est en mode ouais je deviendrai roi d'Aria. J'ai la baguette connard. Faut déjà que tu me battes pour l'avoir. J'ai la pierre. Qui c'est ça? Ah oui c'est l'autre. Bon sang. Où est grand duc? C'est à toi de cliquer sur suivant, non on peut pas tienne. Par ici, je l'ai trouvé. Ah non, pas encore vous. Ah, il a retrouvé une tunique tiens. Tu es fini, grand duc. Tu es fini. Rends-nous la couronne. Le grand duc, partez, je vous ouvre la voie. Merde. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il fout là, le marchand de brochettes? Eh bien, adieu alors. Isnoflood, pourquoi vous étiez grand duc à s'enfuir? Les ennemis de mes ennemis sont mes amis, vous ne passerez pas. On va te foutre un coup de guitare dans la gueule. Oh. À négocier, ouais. Bah ouais, négocier, hein. La bonne affaire. Ouh. Ok, c'est un bon petit moins 20, là. Ça te sauve, ça te sauve, bon, ça te sauve. Oh, let's go. Ouais. Grand duc n'est pas votre ami, loin de là. Ah non, ne cherchez pas à me faire changer d'avis, hein. Écoutez-moi. Il est à la tête d'un groupe qui veut prendre le pouvoir à Aria. Ah oui, c'était pas quoi parti avant. Vous voulez dire qu'il est à la tête des végétariens? Mais quoi? Oui, c'est ça. Laissez-nous passer. Vous pouvez dire adieu à vos brochettes. D'accord, allez-y, arrêtez grand duc et sauvez les poules. Sauvez les poules, mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, tu les tues. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il bave? Je sais. Il est incroyable. Il est incroyable, Isnoflood. Il est fou. Oui, ouais. Vous foncez vers le port pour attraper Grand Duc avant qu'il ne prenne la mer.
Montez à bord de son navire, mais prudence, le danger est grand. Le danger est grand. Atteindre le pont du navire, triompher de Spade, ne jamais quitter son tonneau. objectif secret, ne jamais quitter le tonneau. Jamais je quitterai mon tonneau. Jamais je quitterai mon tonneau. Vous voyez gros, où c'est les gars ? Qu'est-ce donc que cela ? Putain, raté. Non, pour l'instant, moi je suis juste en train de cliquer, je m'en fiche des trucs. Auron, Raoul, c'est toi qui ouvre le bal. Oui, ouais, j'ai déjà fait ma phrase. Hein. Ah, pardon, bon, excuse-moi, on était trop occupé à se chamailler, je crois. Ah, là, c'est bon. Et du coup, moi justement, j'ai rien pris parce que. Et c'est 11 derniers bateaux au bout du quai. Super. C'est qu'une pomme. Bonjour. Eh, hey, vous n'avez rien à faire ici. Rien à faire ici. Ah, bon, bah. Messieurs, vous devriez évacuer la zone. Non, 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 lâche la pomme, c'est bon. Planquez-vous. Attention, les gars arrivent. Des groupies, cachons-nous. Moi je fais le mec ouais à la barbe. J'ai cru que cette farce de procès allait faire capoter le plan. Attendez, qui êtes-vous et que faites-vous là? Bon. Qui c'est qui faisait Spade? C'est moi, c'est moi. Les gars, capturez ces marins et emmenez-les sur le navire. Et chargez ces tonneaux, on risque d'en avoir besoin. C'est vrai qu'il n'y a plus rien d'être. Jamais je quitterai mon tonneau. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ah non, c'est... Oui. C'est pas moi. Chut. Ouais. Et tout droit, moi, techniquement, j'ai encore le couteau de Spade, hein. Ah, une lanterne. Non mais le mec, il prend tout. Ah oui, merde, on est là. Ok. Tienne. C'est moi, pardon. Où sont passés les autres marins? Ah, je crains qu'il ne se passe des choses sombres sur le pont. Non, à moi. Non mais sérieusement. Trop tard. Trop tard là. Non mais sérieusement, c'est moi qui ai découvert. C'est pas... Ah non, c'est moi qui ai cliqué. Non du tout, c'est moi. Il était là. C'est pas cool. Ok. Les gars, faites monter ces marins. Que la cérémonie commence. Par contre, je sens que la lampe, on va en avoir besoin, donc je vais la garder. Il vient bien de parler de sacrifice. Mais par contre, faut que tu la mettes dans ton inventaire, Galacta. Ouais, mais pour l'autre aussi. Vous savez bien que notre invité du soir est gourmand. On doit rester caché, on va la laisser là, la lampe. Ordure. Comme toi, Galacta. Putain, ferme-la! Tiens, tiens, tout le qui parle. Ah, quel couillon! Voyons voir ce qu'il contient. Ah, moi je sors pas, hein. Tu vas te faire buter, Auron, tu vas te faire buter. Au revoir. Bye, Auron. Allez, sors de ta cachette, je sais que tu es là. Juste une égratignure. Adieu. Et bah voilà. Oh non. Tu n'es sûrement pas venu seul, dis-moi où se cachent les autres. Déconne pas, Auron. Mais dis rien. Bah, non, il m'a volé mon poisson, hein. Jamais. Eh, faut parler, monsieur. Auron ? Jamais. Enfin, sauf celui qui m'a volé mon poisson. Mais je te l'ai pas volé. Bien sûr que si. Mais non. Putain, c'est bon. Silence. Je te le passerai après, ton poisson, c'est bon. Non, c'est bon. Le gars, il se bagarre pour un poisson, quoi. Allons, tout sera bientôt fini, de toute manière. Ce soir, je récupère enfin la dernière relique divine. Je l'ai toujours. Et plus rien ne m'empêchera de régner sur Aria. Le mec, il est con, hein. Alors maintenant, on parle. Juste une aïe. Allez, on courage. De toute façon, on a du huile, courage. T'inquiète. Les gars, finissez le travail. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, moi, je bouge pas. De toute façon, moi, je fais pas de... Ah non, non, non. J'ai déjà vu ça. Ah oui. De la chasse. Ah oui, oui. Rien, je vous ai déjà parlé de fromage. Moi, j'ai pas beaucoup de dégâts, je crois, donc il faut pas que j'attaque. Mais... Eh ben oui, Galacta. Mais je me suis caché. Ce tonneau sera peut-être mieux. Disparition. D'accord, je prends juste un autre tonneau. À l'attaque. On va laisser Auron crever, le pauvre. Pas facile, avec les mains liées. Juste une... On ne peut pas tuer la mort. Aïe. Chaud devant. En même temps, tu t'es...
Bah oui, mais en même temps, tu fais du mal, tu peux pas mieux, hein. Oups, pardon. Espèce d'incapable, vous faites battre si facilement. Attention maintenant, Grand Duc. Je vais voir ta peau. Oh, il y a Spade. Grand Duc, tout va bien? Oh, le boss. Spade. Qui sont ces gens, Grand Duc? Des nuisibles. Retiens-les le temps que je récupère la dernière relique divine, s'il te plaît. Je dois pas dire s'il te plaît. Voyons. Laisse-nous sortir, Spade. Pour sortir, vous allez devoir me vaincre. Et pour pimenter les choses, je vous lance un duel à l'ancienne. Un contre un. Mais quel naze. Vanguard. Allons-y. Ah non, ouais, non, moi je le fais jamais. 25% ou... encouragé. Ah non, moi j'encourage. Attends, oui, je vais décaler la lampe de Lyon. Merci. Voilà. Ça sera la lumière de votre combat. Non, non, Trop tard. Trop tard. T'as le temps de la récupérer. Oui, t'as le temps de la récupérer. Oui, t'as le temps, ouais. Ah, j'arrive pas à la prendre. Allez, on clique. Ah bah t'as peut-être du temps. Si, c'est bon. Merci. Ok, hop. Non, c'est l'armure qu'il faut que t'enlèves, hein. Ouais, c'est bon. Ok. Spade, je relève ton défi. Oh, le meilleur gagne. Courage, tu peux le faire. Les autres tenues qui applaudissent, c'est tout. Altération obtenue. Ah, attends, t'as x3 en combat, moins 30. Attends, à côté. Bon, bah, c'est pas grave. Ouais, voilà. Et bah, d'accord. T'as ça quand même, t'es galvanisé. 3 malus, il était à 64%. Allez. Et dommage. Aïe. J'ai joué. Alors, qu'est-ce que tu attends? Altération peur. Je change d'avis, adieu. Reviens ici, pleutre. Bah, rejoindre tes petits camarades. Aïe. On est juste cachés. Je pense qu'il va falloir que tu heal. Au secours. Hein. Il va falloir que tu te heal à un moment. Oui. Allez, au fer. Reprenons des forces. Au fer, putain. Il te reprend. Oh bordel. Ainsi se termine notre duel. Pendant des années, nous avons minutieusement préparé ce coup d'état. Merci. Ce n'est pas pour laisser des gens tout gâcher à la dernière minute. On doit sortir de là d'une manière ou d'une autre. Ah bah là ouais. C'est moi, continue à le faire parler. Vas-y, je vais continuer à le faire parler. Hein. Il faut aller le délivrer ouais, et ouais, tu vas pas l'attaquer en traître. J'ai le plus de points. Attends, non. T'es sûr que tu veux l'attaquer en traître? Fais attaque en traître. C'est le deuxième. Mais non, mais justement, s'il te passe du stuff, c'est bon. Il faut qu'il te passe son stuff, c'est tout. Mais c'est toi qui as le meilleur score de combat naturel. C'est vrai, c'est... naturel d'ailleurs, c'est parce que j'ai des trucs en plus. Bah non, mais justement, t'as pas. Voilà. Oh, donne-lui, toi, tienne. Attends, ah mais oui, si, t'as ton stuff à donner, tienne. C'est de la discrétion qu'il faut. J'ai que de la distance négative. Non, mais c'est moi, continue à le faire parler, y'a pas de problème. Ce qu'il lui faut à Galacta, c'est du combat, hein. Oui. Non, c'est de la discrétion. Attaquer en fait. Ah, c'est de la discrétion. Oui, c'est de la discrétion. Mais parole et la flèche, c'est quoi le. Oui, mais t'es à 40%, c'est toi qui as le plus haut. Oui, mais regarde, mais j'ai pas de stuff en discrétion, moi. Ouais, non, j'ai en dextérité, mais j'ai pas en discrétion. Toi, t'en as pas, ouais, je pense. Ouais. Attends, c'est quoi que t'as à côté là? Non. T'as de la perfection, bon, c'est pas grave, allez, t'attaques. L'ombre est mon allié. Bah, tu as encore ton pouvoir, non? Je vais sortir mon tonneau, ouais, voilà. Oui, évidemment. Non, j'ai plus mon pouvoir, je crois. Dis-moi, Spade! Mais tu peux utiliser ton pouvoir. Je suis joueur. Préparez ce coup depuis des années, vraiment? Comme ça, je peux utiliser mon pouvoir. Oui, nous complantons pour renverser Julia. Pour renverser Julia depuis notre intronisation. Depuis son intronisation. Okay. Ça fait beaucoup de temps perdu pour échouer à la fin. Je verrai bien qui aura le dernier. C'est le moment ou jamais. Est-ce que t'es galvanisé? Pas du tout. Furtif, discrétion. Non, mais j'ai plus de discrétion.
Attaque surprise. Et non, ça, il fallait pas faire ça. Ah oui, pour pas le dire. Oui. Ouais, t'as vu, 50% de chance. Ouais, ouais. Je suis obligé de faire un Allez. Tirage normal. 49 ou moins. Et là, critique. Allez, on y va. Oh, 47, let's go. Juste, juste. Prêtre, m'attaquer dans le dos. Pas trop mal. le gars est lent maintenant. C'est fini pour toi, Aspain. Gros bandu, j'ai failli à ma mission. Ouais, bravo, bravo. Je vite, délivre-moi. J'arrive. Ça arrive. J'imagine le gars, il est encore en train de faire son truc de cinéma. Merci. Oh, je me meurs. Oh. Je l'ai vaincu. Bravo. Ouais. Bravo. Remontons sur le pont. D'Avignon. Shazam. Shazam. Ah, il y a le héros qui va arriver. Je vois que ma magie temporelle m'a de nouveau transporté à un moment historique. Ce qui veut dire que votre décision va tout changer si elle est unanime. Votre adversaire est à votre merci, qu'avez-vous prévu de faire? Lui pardonner, l'achever, l'achever évidemment. Lui pardonner ou l'achever? Permis, frère. L'achever, c'est un bâtard. Il est clairement à la solde de Grand-Duc. Bien sûr. Bien sûr. Ok. Ah non, lui, attendez, j'ai pas compris qu'on parlait de lui. Attends. Lui? Il est clairement à la solde de Grand-Duc. Non, c'est un con. C'est un con. Oh, de toute façon, j'aurais dit lui pardonner parce que je suis son chouchou. Hein. Les étoiles sont instables. C'est moi qui ai encore sa dague après tout. C'est un con. Pardonne-lui. J'ai cru qu'il parlait du doc. Lui. Du duc. Mais non, pas le grand-duc, non. Quelle grandeur d'esprit. Pardonner son adversaire est le premier pas vers la paix. Tenez, en espérant que mon chapeau vous accompagne dans votre quête. Alors, le prenez pas, regardons déjà ce qu'il a. Oh là. Ouais. Et bah, c'est pour. Discrétion, c'est moi qui ai le plus de discrétion. Ouais, ouais, je pense. Hein. Moi, non, je suis à 52, mais. Ah oui, non. Oh non, c'est pas toi qui as le plus de discrétion. Hein. Ah ouais. Ouais, mais perception, il est bas. Hein. Mais parce que j'ai un. Oui, parce qu'il a un négatif. Ah oui, parce qu'il a un, aussi, il a un malus. Ouais, c'est plus serein le chapeau. Prends le chapeau. Prends-le. Ouais. Tu vas avoir un joli chapeau. Il faut que tu le portes, par contre. Eh oui. Par contre, tu me passes l'armure. Ben ouais, parce qu'en vrai, ouais, tenez. Merdouilleuse. Vas-y, tu peux continuer en attendant. Votre décision a changé le cours de l'histoire. Nous en découvrirons ensemble les conséquences. Je vais retirer les connaissances pour l'instant. Merci. Adieu, Spade. Oh, on est galvanisé. Et maintenant, allons arrêter le sacrifice. Au revoir, Spade. Adieu, Spade. Je garderai ton couteau jusqu'au bout. À s'enfuir. Objectif secret, obtenir la récompense de Shazam, ressortir avec l'épée de votre adversaire. Ah hein. Ah, peut-être si on le tuait, non? Bah non, c'est unanime. J'ai rien gagné, moi. Oh là là là, 3 quoi. Non mais, vas-y. Ouais, moi aussi, que 3, malheureusement. On va continuer à augmenter le cerveau. Hein. Moi, je vais pousser la dextérité. Non, je vais continuer à pousser mentir convaincre. J'en veux plus. Je me sens meilleur. J'atteins toujours mieux. Quelle est la perception? J'ai tout bouffé. Ouais, bah quand tu mines max, en fait, ça commence à coûter cher au bout d'un moment. Mais regarde-moi. Mentir convaincre, je suis à 76%. Ah oui. Les questions? Ma stat la plus haute, je crois que c'est. Ah bah oui, c'est la connaissance. Ah non, c'est courir maintenant la plus haute avec l'arme. Maintenant, je cours très vite. Moi, c'est combattre du coup à 57%. Bonjour, je suis une archéologue qui se balade en tenue de garde. Ah oui, donc. Question okay. Le point de récupérer la dernière relique divine. Non, j'ai toujours la. Aria et la reine Julia, vous devez l'en empêcher, quel qu'en soit le prix. Moi, ça me fait délirer tout le temps de dire parce qu'ils disent oh là là, s'il y arrive, ce sera la fin. Mais je l'ai toujours en peine, donc arrête. Oh oui, ligne de Bluetooth. Ne pas tomber à l'eau. Oh oui. Oh oui. Vous vous en souvenez ou pas? C'était comment déjà? Je sais plus, mais on va le rechanter. Ah bah. Gluton, accepte cette démarche en échange de l'orbe des rois. Mais moi, j'ai les palmes. Non, oui, je vais équiper plus, les palmes. Je vais équiper voilà, les palmes de Gluton. Je prends digne de Gluton. Non, c'est. Non, ça devait être Raoul qui devait faire Gluton. Grand Luc, on ne te laissera pas faire.
Ah, voilà les braves héros qui arrivent juste à temps pour me livrer mon sceptre. Non, oh, merde. Non. Non. Et les gars, j'ai récupéré mon sceptre. Le connard. Non, mon sceptre. Fils de... Eh, hey, rendez-moi ça. Ah, bien joué, les boulets de canon. C'est bien de leur enlever, ça, je pense. Si quelqu'un a besoin d'une épée à 5. Ah, plus 5 en combattre, c'est pas mal, quand même. Voilà votre sceptre, grand-duc. Pas trop mal. Mon sceptre, putain. Et Gloutoun attend son offrande. De chance que je l'ai retiré. Il faut à tout prix empêcher grand-duc de récupérer l'or. Alors, attends. Je vais attaquer grand-duc. Parce que c'est moi qui ai le plus haut. Ouais, tu veux te battre? Qui non, occupe on va, il faut les libérer, hein. Les gars. Croyez en moi. C'est qui le ouais. Je pense qu'il y en a un qui va prendre des dégâts, hein. Mmh, ouais, du coup. Moi, je préfère sauver Wayne. Ouais. Pour que t'as plus de vie. Ouais, mais je vais sauver Wayne. Ok. À l'attaque. Aïe. Bah, qu'est-ce que vous faites? Libyen, menu devant moi, je peux pas parler. Mais non, garde le chapeau. Ouais, c'est sûr. Ouais, mais c'est juste pour combattre. Ah oui, hop, excuse-moi, voilà. Libérez-moi donc. On les tient à distance. Toi, qu'est-ce que tu préfères? Porte plainte. Ah là, je te l'avais dit, tu... Allez, dépêchez-vous. Ah merci. À nous deux, grand-duc. Viens, je t'attends. Oh... 75, je crois. Oh, oh. Est-ce que ça m'amuse? Ça va, c'est bon, c'est bon. J'imagine l'échec critique là, tu tombes dans la bouche de Gloutou. J'avoue. Mais qu'est-ce que... Ah, plus rien ne te protège de ma colère. De ma colère. Oh là, tu l'as défoncé. Enfin, ce que tu mérites. Bim! Altération. Waouh! Super Saiyan! Oh waouh! Un grand-duc! Pas de temps à perdre. Vas-y, récupère le sceptre. Oh. Ah, c'est moi qui te libère en plus. Merci! Gloutoun, change de plan. Tu ne dévoreras aucun marin ce soir. Gloutoun. Ah merde, attendez. Oui, il faut. Oui. Gloutoun réclame ce qui lui est dû. Attention, Gloutoun va frapper, accrochez-vous. Bouge-toi de là. Ah ouais, il l'a sorti. Black X, mets-toi à l'abri. Accrochez-vous. Hein? Quoi? Mais accrochez-vous. Accrochez. Oh pauvre Auron. Ah bah Auron, il est dans la merde là. Super. Tiens, t'avais laissé sa place. Tiens, t'avais laissé sa place. Bah oui, mais il a pas voulu la prendre. Bah, je l'ai pas vu moi du coup. Enfin, j'ai déjà les stats. Oh, ça se me court. Oh non. Ewen est mort. Ewen. Il faut les sauver. Oh merde. De nouvelles offrandes pour Gloutoun. Parce que on ressent le souffle de Gloutoun. On arrive. Parce que vous croyez qu'on va vous laisser faire. Et les gars, attaquez-les. Merde, le meilleur combattant est déjà parti. Sauver ce défaut. Ah, bon bah deuxième hein. Attends, tiens. Non, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin, ça suffira. Un bon petit Tiens. Voilà, prends la lance, ça fait plus 7. Tu peux la mettre à la place de ton armure, non? Oui, non mais je regarde. Ouais, allez. Vas-y, je vais défoncer la 37% de chance. Aïe. Oui, ça passera jamais, mais... Sauf si je peux utiliser un pouvoir. Je sais pas si je vais y arriver. Ah bon? Mais c'est un robot ton mec, en fait. Frère. Ah. Non, je dirais tente, merde. 33% de courir et sauter. En vrai, j'aurais dû courir. Sur ce genre de jet, genre j'aurais dû me mettre au milieu avec plein de thunes pour acheter plein de trucs. Vendez tout. Ouais, moi je pouvais en fait courir sauter, je suis plus haut sur ça. Ça passe. Oh putain, ça fait tout seul, dommage. Mais du coup, c'est bien que j'ai les réserves d'argent.
Moi j'en ai un. Ok, c'est bon. Oh, oui. On sent qu'il y a le canon qui va servir. Là. C'est bon, on l'a récupéré. J'en ai un aussi. Ouais, gardez-les pour l'instant. J'y arriverai pas tout seul. Il est pas tout seul. Et voilà. Let's go. J'ai bien cru que ma dernière heure allait arriver, merci. C'est beau. Je ne vous laisserai pas faire un pas de plus. Non, je peux pas utiliser Force Galacta. On y croit. Force. Pas du tout, 37% on y croit pas. De toute façon, c'était critique ton pouvoir. Et là, 90 ans quand même. Allez, on y croit. Oh, le 74 qui fait mal là. Aïe 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 aïe. Il y en a qui voient du son déjà ou pas? Ah, 4 contre 1, c'est pas du jeu. Aïe. Aïe. Bah voilà, je viens de le dire. Aïe. Vous osez encore priver Gloutoun de ses offrandes. Gloutoun, donne-moi l'orbe. Non, Gloutoun en veut encore. Et si c'est comme ça, je vais la chercher moi-même, parce que je suis terriblement con. Non, Gloutoun te l'interdit. T'as été patient, hein, le Gloutoun. Allez, on ouvre le grand le bec. Aïe. Ah, pardon. Un grand duc. Un grand duc. Oh là là. Est-ce qu'on doit le suivre? L'orbe, il veut me le voler. D'ailleurs, c'est vrai que c'est un orbe. Vite, avant qu'il ne soit trop tard. Mais ah il est une Gloutoun alors. Trigger warning, Vore. Oh. L'orbe des rois, elle est toute proche. Elle est toute proche, je le sens. Ah bah la voilà. Ah la voilà. La voilà, pardon. Oh non, Super Saiyan. Grand Duc, c'est ici que t'arrêtes ta folie. Ah putain. Trop tard. Renoncez, je vous épargnerai. Peut-être. Ah, la musique. Jamais. Bat ton nom jusqu'au dernier. Bourraria. Bourraria. Quoi? Ah, vous pouvez utiliser. Et pourquoi on est tous censés le faire? Ah ouais, 12. Ah bah déjà c'est mort. Ah moi regarde. Moi je l'ai, moi j'ai réussi critique. Mais t'as réussi critique à 15. Mes coups ne l'atteignent pas. Oh oh oh, vous pensez pouvoir me blesser avec vos piqûres de moustique? Patate de forain. Oui. Je vous demande de vous arrêter. Tiens. Je n'arrive même pas à le toucher. Bah toi aussi t'as fait un échec critique, ouais. Ouais. Oups, je crois que j'ai frappé dans la glotte de Gloutoun. Oh, merde. Aïe, 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 tu t'es fait vomir dessus. Un reflux gastrique. Aïe, 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 aïe. Notre combattant qui a moins de combats, super. Faites attention, Gloutoun m'a failli me recracher. Et moi, je vais bientôt mourir, hein, si ça continue comme ça. À notre tour. Prends-toi ça. Hop là, vite. Hop. Hey. Non. Tiens. Non! C'est mon sceptre! J'ai fait de la merde avec l'orbe! Attends, bouge pas! Oh non! C'est un boulet de canon! Là, c'est bon, je l'ai! Ah, c'est bon, il est là! Qu'est-ce donc que cela? C'est bon! Oh, attends. Oh c'est balèze ça! Non, qui le veut celui-là? Oh, moi j'en ai besoin, désolé, mais tiens, je le veux. Non, prends les deux! Oui, au pire, oui. Prends les deux, mais une max tes connaissances! Vas-y! Mais une max tes connaissances! C'est bon! Oui, donc non, mais relique. J'ai déjà dit, hein. Pardon. Oui, ah merde, on a cliqué trop vite. J'ai pas pu lire. Ça, c'est pour moi, par contre. Ça, c'est pour moi. Comment ça, c'est pour toi? Ah non, là, oui, c'est pour toi plutôt, oui. Eh ouais. Plus 90? Comment? Combien? Combien? Combien mentir, convaincre? Il a. Comment ça? Il a 130. C'est quoi cette stat? Ah mais attends mais je suis déjà à 90 moi. Non mais je te la passe, autant la laisser à quelqu'un autant la donner à quelqu'un qui a aucune stat en. Parce qu'en fait moi je suis déjà très haut, je suis déjà à 70. Je suis à 55. Là il faut que tu l'équipes par contre. Ouais moi je suis à 25. Mais du coup bah donne-moi la discrétion à quelqu'un d'autre. Tiens la lance. Donnez autant la donner à quelqu'un qui a 20. Si quelqu'un a besoin d'une armure.
Ouais, je l'avais bien. Ouais. Et du coup, la lance, bah, je la garde du coup. Bah ouais, j'imagine, hein. Vas-y, vas-y. 5, elle a plus 7, hop. La musique derrière qui est à fond. Mais non, on s'en bat les couilles. Oui, on s'en bat les couilles. Du coup, j'ai déjà dit, hein. Je récupère le boulet de canon, on sait jamais. Ouais. Même avec 3 reliques divines, tu me fais pas le poids face à nous. Je n'en peux plus. Il tient à peine debout, on l'achève. Alors avant ça, est-ce que je peux te faire la manche? Non, c'est bon, il est mort. Rendu vaincu, enfin. Pendant ce temps, Antoine Fortune est en train de gerber parce qu'il est empoisonné. Qu'est-ce que... Gloutoun doit être en train de plonger, on va mourir noyé. Sortons d'ici, vite. Survivez. Allez, la chanson. Oui, la chanson. Oui. J'ai 90%, c'est n'importe quoi. Oui, bah là, oui, on veut dire. Il faut que des gens. Sachez qu'il y a des gens qui doivent faire autre chose. Sinon, on va tous mourir. Oui, mais Osef, on va pas lui casser. Est-ce qu'il va nous entendre? Je vous préviens, j'arrêterai pas de chanter, je ne sais rien faire d'autre. Moi, je ne sais rien faire d'autre à part chanter, je vous préviens. Je tiens à dire que peu importe ce que je fais, il y a très peu de chances que j'y gagne. Oh, j'avoue. Et là, échec réussite critique encore. Ah non, 73. C'est raté. Je vais me rassurer, Loutou. C'était quoi la suite des paroles déjà? Allez-y, chantez bien. Ouh la merde, dormez, Gloutoun. Gloutoun. Malgré la houle, dormez, Gloutoun. 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 Malgré mes cris, dormez, Gloutoun. 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 Ah, moi aussi je. Ça fonctionne. La sortie. Eh, attendez-moi. Adieu, grand duc. Si tu veux, je rende ton orbe, hein, vas-y. Votre roi ravit Gloutoun en récompense. Gloutoun vous offre tout son or. Ah, encore? Wow. Comment ça? Non! Comment ça? Non, à moi! Non, à moi. Qui l'a? Son inventaire est plein, Yassine! C'est terrible! C'était pour moi! Non! C'est moi qui ai fait un réussite critique, je vous Il y a eu 2 réussites critiques. C'est moi le chanteur! J'ai besoin d'argent pour mon pouvoir, sans que vous ne voudrez pas. Oui, c'est vrai, il a pas tort. On sait même pas ce que c'est ce truc. Vas-y, fais voir ce que c'est. T'as même pas over par-dessus pour voir ce que ça fait. Ah, mais c'est de la merde. C'est de l'or. N'oubliez jamais qui est Gloutoun. Merde. Au revoir, Gloutoun. C'est fini, c'est vraiment fini. Vu l'endroit où on l'a laissé, ça m'étonnerait que l'on revoie Grand-Duc un jour. Ça m'étonne, en effet. Allez, on a plus qu'à rejoindre la terre ferme et à rendre ses reliques à la reine. Oh, t'es sûr? Ouais. Ils étaient pas à la reine en plus, les reliques, c'est celle-là. Ah bah ouais, bon bah je récupère l'armure. Ah bah non, d'ici. Majesté, voici vos reliques divines. Bon. Bah ouais. Dommage pour ton stuff, rien, dommage pour votre stuff, les cocos. Oui, surtout moi en fait. Ah, j'avoue. Ah, ça vous remercie. Pour avoir ramené la paix et les reliques divines à Aria, je vous nomme protecteur d'Aria. Archibald, je peux avoir ma tunique, je te paye. En remerciement, la couronne tient à vous offrir cette récompense. Voilà. Oh, oui. Du polar. Ouais, bah oui. Je te paye encore ainsi plus. Que ceci. Prends-moi ma tunique. Tiens. Ah. Ah oui, bah rends le sceptre à Galacta et... Ah. Non mais, Auron, rends le sceptre. Rends le sceptre. Allez, tiens, tiens. Contre le boulet de canon. Allez. J'ai dit que je voulais 3. Un peu arnaque, mais ok, merci. Bon, non, mais c'est juste la forme, c'est tout. Et donc le sceptre, vous êtes sûr? De quoi? C'est à l'étroit, hein. Dès la tête, je dois 1€. Pourquoi? Parce que je t'ai demandé 3, tu m'as donné que 2. Merci. Ah, bah j'avais pas entendu le 3, je t'assure, autant pour moi, bah tiens. Ouais, Bon, les doublages, là, s'il vous plaît, là. S'il vous plaît, on se concentre. Le sceptre. Majesté, vous êtes sûr? Qui d'autre sera mieux le protéger? En moi. Espérant que sa sagesse vous accompagne dans vos prochaines aventures. Pour les protecteurs d'Aria, hip hip hip. Ouah. Hip hip hip. Ouah. Ouah. Et maintenant, place au banquet. Alors, je t'avoue, avec bonne fortune, je pense pas qu'il va beaucoup manger, il est toujours empoisonné.
Majesté, la cité de Verna réclame notre aide de toute urgence. Ah, bon bah... Une gigantesque démon menace de détruire toute la ville. Toute? Ah oui, c'est la dame au chat. Alors le banquet attendra. Protecteur Daria, votre première mission sera de voler au secours de Verna. À vos ordres, Majesté. Bravo. Bravo. Je vais avoir pas beaucoup de points, moi. Ouais, j'ai fait l'objectif secret. Oh, devenir le gardien du sceptre de sagesse, bien joué. Je l'ai depuis le début, de chance que je suis le gardien du sceptre. Bon, après, t'as pas chanté l'hymne de Glutoon, mais bon. Oui, bah après, j'ai pas pu, hein. J'ai fait un 72. J'ai que gênant, 4 quoi. Points, vous n'avez gênant, 5. Quoi. Ce n'est faux. Oui, bah je suis gênant. J'en veux plus. Il a pas chanté l'hymne de Glutoon. Je me suis dit, c'est que il faut que je mette des PV, il faut absolument que je mette des PV. Bah oui, mais regardez comme ça, parce que. Je crois que je suis nul en crafting. Tous nuls à chier. Vraiment, c'était Bougon qui était bon en crafting. Ouais, donc bah du coup, on sera dans les maps, parce qu'il y a personne qui a plus de 25. Ouais, 20 là et. Et Raoul, je pense pas qu'il ait 25 ou 6. Chrétienne, tu peux encore changer de perso, hein. Tu as le bouton là, la changer de personnage, tu peux, hein. Raoul, regarde ton crafting s'il te plaît. Quoi? Mais non, j'ai un crafting de merde. 25, t'es le meilleur de tous, hein. Ah ouais? Ouais, tout stylé. Le monde a sur une bonne courbe de croissance. Stylé, ah non, lui maintenant il va dépasser s'il le prend. Allez. Allez, tienne. Prends allez, l'artisanat. Mets full artisanat là, build full artisanat là. Moi je suis un build full plein de trucs. Je pars de trop loin, je suis parti de 21. Mais c'est pas grave, on va filer tous les outils qui font de l'artisanat, t'inquiète. Moi je suis vraiment un assassin. Discrétion, dextérité, combattre et perception. Hein. Mais faut que je remplace ces palmes. Allez. Campagne terminée, félicitations, vous avez terminé un mauvais départ pour la belle aventure. Votre aventure continue dans la salsa du démon. Vous pouvez y rejouer n'importe quelle scène du scénario précédent pour y découvrir tous les secrets. Salsa très bien. Du démon. La salsa du démon. Ouais. Allez, bah on y va, vous voulez y aller? Bah go. Vas-y. Allez. Oui. Hein. Alors moi je garde le même. Hein. Ouais. Moi aussi, bon on garde tous, hein. Il y aura seulement une mort qui va nous obliger à changer, hein, à mon avis. À un moment ou à un autre. Il y a juste une personne qui est mort, mais je sais plus son nom, c'était qui déjà? Le vieux. Il était vieux, c'est pas grave. Ah, ça c'est pour moi ça, rempli de ruines. Une seule chose la sépare du royaume des hommes. Un mur immense, érigé et protégé par la cité de Varna. Comment je pense? Putain, y'a Trump qui est passé par là, les cons. Moi c'est surtout l'attaque des titans là, c'est... Oui aussi, oui. L'un des deux. Après peut-être que Trump qui prévoyait d'utiliser les titans, hein. Oh, non, ça c'est vraiment... Ah bah tiens, voilà. C'est vrai que ça c'est vraiment une allusion à Trump, ça, pour le coup. C'est comme ça qu'ils voient les Mexicains, en fait. Les Mexicains avec une architecture indienne, évidemment, c'est tout à fait Trump. Le fameux titan mexicain. Franchement, j'ai l'air. Je paye pour voir ce crossover. Le générique d'Attack on Titan saison 1 repris par des mariachi. Je sais pas si ça existe, mais je pense que j'aimerais voir ça. Se faire attaquer et survivre. Ah ouais. Oh. Réunir et son chien. Oh, faut réunir son chien. Oui. Et des objectifs secrets. Ok. Et évidemment les objectifs secrets. Bon d'ailleurs okay, tu sais quoi. Je regarde le couteau. Mais. Majesté! Ah, ils t'ont donné une fausse couronne! Trop marrant! Bah oui, il y a la fausse couronne. Elle fait quoi la fausse couronne? Tu peux dire ce qu'elle fait? Majesté, la démon est entrée dans la ville. Elle a déjà ravagé le quartier des marchands. Trade. T'as pas assez de. Non, mais en fait, moi, non, mais t'es à 90, t'as pas besoin de plus. Non, je suis pas à 90, je suis pas à 90. Je suis pas à 90. 80. Ça va, ça coûte 1, je t'ai filé un truc à 1. Bah prends le boulet de canon, Andouille. Merde, on a pas écouté. Oui, bah oui, je l'ai dit. Ah. Les victimes se comptent par dizaines. Oula. Bon sang. Bon sang, et les renforts d'arrière qui ne sont toujours pas arrivés. Les renforts d'arrière sont là.
Nous sommes les renforts. Oui, on est quatre. Quatre personnes, c'est tout. J'ai demandé une armée à Julia. Ah, nous sommes une armée à nous quatre. Oh, les coups du monde. Si c'est comme ça, il ne me reste plus qu'une chose à faire. Mage de Verna, en route. Bon, je suis sûr qu'il va falloir que je me, il va falloir que je me traîne ça. Et nous, ouais. Jusqu'à la fin, ouais, je le sens. Ça va être insupportable. Je venais en aide à tous habitants que vous trouverez. C'est plutôt à monter à Daemon. Ouais, pour l'instant, on s'en fout. Ouais, elle est éteinte, donc c'est useless. Non, ça c'est ma mission. T'as la statue de chien. Il faut un talent particulier pour espérer vaincre un démon. Malheureusement, personne ici ne le possède. Mais j'ai peut-être une autre solution. Grand fort Daria, je vous souhaite bon courage. J'adore les statues de chat, elles sont magnifiques. Ah, j'avoue. Allons-y. Allons-y, allons-y. Alonso. Allons-y, Alonso. Ah merde. C'est Zoro. Batou, tire mon Batou, je vais te sortir de là. Doxy, mes jambes, je ne les sens plus. Au secours. Faites le call, faites un call. Mon ami Batou est coincé sous les gravats, aidez-moi à les soulever. Oh là, qui fait le chat? Je fais les animaux, je fais bien. Très bien. Oh non, un chat sacré est aussi piégé. On doit l'aider à tout prix. Ah, moi je sauve le chat. Moi aussi. Enfin, ça dépend de... Aidez-moi à entrer dans ces gravats. Allons-y. Calmer le chat, évidemment. Extirper Batou. Bah, je vais calmer le chat. Je vais devoir extirper, je suis plus. Il faut sortir le chat, Chacun un truc. Tu penses que ça suffit avec une seule personne? Oui, ok, vas-y, vas-y. Hein. C'est qui le patron? Moi je vais l'extirper, j'ai le plus haut. Ok, mais ça y est, ça y est. Mais du coup, peut-être que la tienne aurait dû aller à gauche avec moi. Ouais, je sais pas. Hey Loxy! Merci, je me dépêche. Allez, tiens. Je vais pas pouvoir tenir, c'est trop lourd pour moi. Il faut agir vite. Commandez le chat à sortir. 80%, ça suffit largement. Mais oui. Easy game. Easy game. En miaulant, je devrais pouvoir la tirer dehors. Miaou. Miaou. Ah bravo! Il a bien voulu que je l'attrape, plus qu'à sortir maintenant. Oh oui. Vous avez vu? Imitateur de chat professionnel. Ouais, bravo. Ah merde, j'ai skippé la récompense de la truc de rond, pardon, excuse-moi. Merci, grâce à vos miaulements, Tartine m'a suivi sans faire d'histoire. C'est vrai que c'est... Je retiens les gravats, mais tu as intérêt à te dépêcher. Oh, je retiens les gravats, mais tu as intérêt à te dépêcher. Merci, qui suis-je? Quelqu'un qui va mourir. Non, je peux l'utiliser en 63. C'est incroyable. Qui suis-je? Oh non, merde. Oh oh. Ça sera pour la prochaine fois. Dommage. Ah bah, oh, je vais prendre des dégâts, c'est pas grave. La sortie, encore un petit effort. Je ne peux pas tenir plus. Aïe. Ah, aïe. Oh non! Pas tout! Désolé, j'ai tenu aussi longtemps que je le pouvais. J'ai pas pu sauver Batou, je sais pas si c'est vite. Ah Batou, j'honorerai ta mémoire. Désolé pour votre ami. Je peux vous offrir. Je vous offrirai un boulet. Notre chat sacré est sauvé, c'est ce qu'il aurait voulu. Votre chat sacré, mais qu'est-ce qu'il a de sacré de Tartine? Même le chat, il est triste. Qu'est-ce que c'est? La démone, elle revient par ici, cachez-vous! Le chat s'est barré à une vitesse. Oui, le chat est parti direct. Cachez-vous, vite! Vite, caractère, cache-toi! Je vais encore me prendre un dégât, tu vas voir. Vite, j'ai pas une nappe à prendre. On n'est pas bien caché? Non, pas du tout. C'est de la merde! Les tonneaux, évidemment. C'est pas comme si c'était grand chose. Mais quoi? Mais quoi? Mais ça sort d'où ça? Bah, elle a une épée dans la main, tiens. C'est bon, elle est partie. Allons sauver tous nos habitants, vite! Adieu, Tartine. Elle est contente. Miaou! Miaou!
Oh, des coffres. Ah, on peut rien le prendre. Le truc rouge, quoi. Feu. Bonjour, monsieur. Salut. J'aimerais que Fornes par ici. Ah, c'est bon, je pensais que c'était lui qui parlait. Les trésors sont en train de prendre feu. Évidemment, c'est oh là là. Qui pense bon, il faut sauver. Ici, les flammes. Je suis piégé, au secours. Je peux m'occuper d'un seau. Oui, il y a un puits, ouais. Oh, oh. Ces barils sont remplis de poudre. S'ils explosent, on risque d'y laisser notre peau. Hop, bon, hop. J'y retourne. J'attends toujours, ma fille. Bah, faut arroser, hein. Je remplir un seau aussi, ça aurait été pas mal avant d'arroser, non. Putain. Bon. Ouais. Trop tard. Ah, dommage. Ah non, c'est bon. Alors, ça vient, ces seaux d'eau. Ouais, une seconde. Ah, la chaleur, elle est insoutenable. Tenez bon, j'arrive. Bon, je peux pas rater deux fois de suite, hein. Do it. T'as un certain pourcentage de chance de rater tout de suite. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est une véritable fournaise. J'ai les poils qui ont roussi. Ah bon, t'as des poils? Oh, tes cheveux. Bah oui. Allez, on repasse de l'autre côté. Bah, elle a le droit d'avoir des poils. Merci, sans vous, j'étais cuit. Oui, c'est vrai, elle a le droit d'avoir des poils. Ces tonneaux peuvent exploser, nous sommes dans le train. Bon, en vrai, 56, ça devrait suffire, non? Aucun risque. Ah. Même pas les dés ont été lancés, en vrai. Oh, risque critique, du coup. J'ai. Sans oxygène, le feu ne peut plus se nourrir. Donc voilà, le drame est évité. Oh, comment il a fait? Je pourrais aussi étouffer le reste des flammes. Quoi? Oh, let's go. Ah ouais, il est au-dessus du game, quoi. On est jamais trop prudent. Arrosons-les quand même. Oula, tiens, t'as un truc chez toi, là. Est sauvé, c'est autour de ses coffres. J'ai pas vu ce qu'il devait utiliser. Mais c'était pas mes... Ah, ok, c'est... L'action est ma seule option. Oh, il active tout le temps son putain de critique, quoi. Mais bien sûr. En perso, donc... c'est ça. Allez, j'emportais tout. En forme. Il faut juste que tu fermes ton menu, tienne, et... Oui, non, mais il a dit, allez, j'emporte tout. Non, mais ça va s'ouvrir de toute façon. On a pensé à la même chose tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Eh, c'est moi qui ai pris les coffres. Ouais, vous laissez à moi. Pas trop mal. Ah, il le récupère de toute façon. Oh, quel étrange bouclier. Il n'a pas dû être fabriqué de ce côté du mur. C'est vrai. Oh, what? Bon, bah, Auron, c'est notre combattant là. Ah oui. Combat plus combien là? Plus 10. Plus 10%. Oh, et le bouclier? Bon, tu vas max, mentir convaincre et perdre. En vrai, le bouclier, je suis pas contre. Ouais, donne-lui le bouclier parce que t'as le chapeau déjà qui est bien meilleur. Pour les PV, en vrai. Oui. Tu me donnes quoi en échange? Bah, je peux te rendre la couronne si tu veux, ou le sceptre du mensonge. Ouais, écoute l'un des deux comme tu veux. Tiens. Merci. Et après, t'as le chapeau, ouais. Tu fais quoi déjà le chapeau? Ah oui, perception, discrétion. Discrétion, c'est pour bon qui bon. C'est Tienne, c'est Auron aussi. La discrétion, ouais, c'est pour Tienne, t'as quoi comme équipement, toi? Ah non, je suis pas le plus haut. Je suis à 43. T'as connaissance, mentir, convaincre, dextérité. En fait, toi, t'es pas du tout spécialisé, toi. Il essaie d'avoir masse connaissance. Si, ouais. J'ai 56. Ah, ok, ok. Ok, ok. Mais putain, mais par contre, elle est dingue, sa stade de combat, du coup, Auron. Ouais. Oh là là là. Dommage que ce soit que des coups critiques ou des échecs critiques, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, vas-y. Ah, t'as récupéré deux dagues. Ah oui, tu peux te mettre un petit score de combat, du coup, Tienne. Inventaire plein. Oh là, les jolis fruits. Oh. Hop là. Non, Je crois qu'il y en a un derrière. Ah merde, j'ai pas réussi parce que j'ai plus de place dans mon inventaire. Ah, y'a des bottes, regardez. Y'a des bottes, là. Oh. Ah bon? Ah ouais. Oh, désolé, moi je dis. Quoique. Attends. Pour quoi, directeur? Ouais, je pense maintenant. Ouais, courir, sauter, ouais, très clairement. Après, discrétion, c'est plus pour les discrétions. C'est qui a le plus haut? Mais c'est toi, hein, discrétion. C'est moi, discrétion. Non, c'est égalité, discrétion. Ah non, ah oui, c'est Auron. Oui, mais bon. Justement, peut-être laisser un. Galacta, genre à la place de l'armure qui sert un peu à rien, quoi. Elle est un peu par défaut, ton armure. Ouais. Bah en plus, de toute façon, ça augmente juste un peu. Garde-la dans ton inventaire. Tu vois, et puis en plus, tu sais faire tes fameuses attaques surprises.
C'est vrai, oui. Donc à partir de là, bon. Ah oui, pardon, oui. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. J'ai bien cru que j'allais mourir ici. Nous devons continuer, d'autres personnes ont besoin de nous. C'est parti. Pendant ce temps, Raoul garde toujours sa lampe éteinte. Ah oui, mais du coup, en fait, si on sauve les gens, ils peuvent nous aider à sauver les autres. Ah, il y a un truc là. Et les fruits. Ouais. Allez, mal, cachez-vous. Oh, c'est pour moi. C'est pour moi. Je dois être torché, c'est moi qui me torche. Oui, pour guérir de ivre. Mais non, mais. Justement. Ah, la démon, il faut se cacher. Ah, il y a un. Plus un bruit. Elle ne veut pas savoir qu'on est là. Ouais, chut. Oh non. Oh, le chien con. Oui. Wolfie. Oui. Oui. Ah, il m'aime bien. Chut, le chien, il ne faut pas que la démon nous entende. Oui. Alors, on va voir le chien. Thornhill, attends, je ne veux pas mourir à cause d'un chien. J'abandonnerai pas. Wolfie. Je l'ai vu, il était là. Il y a tout le monde qui a dit sa voix. Oui. Moi, je pense qu'il parle comme ça. Oui, c'est vrai. Bah, vas-y, hein. Wolfie, reviens ici. Toi, reviens, c'est trop dangereux. Oh. Il faut, la démon va se jeter sur lui. Je sens qu'il va falloir l'attaquer. Il faut à tout prix attirer l'attention sur nous. Ah, il va surtout attirer l'attention. Imiter le chien. Faire diversion. Ah non, toi, t'as le plus. Je vous propose un partenariat. Imite non mais vous voulez vraiment tenter de faire diversion là? Non mais imiter le chien c'est s'enfuir hein. Imiter le chien c'est s'enfuir, tiens. Ah non, c'est faire un bruit de chien. Bah oui, c'est moi qui... Attends, c'est ça? Oui. C'est imiter un bruit de chien. Vas-y, vas-y. Et toi, t'as qu'à se mettre de 80%. Ramenez Thornhill à l'abri. Suivez-nous, il faut se cacher. Je sers sur mon sien, Wolfie. C'est pas le moment. Heureusement que t'as eu les bottes, hein. Oui. C'était tout pile. Hop, on part se cacher. Laissez-moi, je sers sur mon sien. Peut-être qu'on peut faire revenir le chien. Ah, 81% si tu rates avec 81% quand même. Mais j'ai l'impression que par contre ça vaut pas plus. 98, salut. Pardon, excuse-moi. Ouf. Et qu'est-ce que vous faites? Ah ouah ouah ouah. Oh vous entendez? C'est Wolfie, il s'est blessé. Oh putain. Oh non, c'est pas vrai. Une armure, ouais, bah. C'est pas vrai. Bah, ça donne juste 2 PV. C'est pas vrai. Bah, oui, qu'est-ce que tu as fait? D'ailleurs, comme je te disais, courir, sauter, on a le même. La démon se repère au bruit. Il suffit de diriger son attention ailleurs. Ah, vas-y. C'est l'heure de la chasse. Allez, 50-50. Dommage. Bye, Auron. Allez, hein. Voilà, tienne, Auron, c'était ravissant de. C'était Ouh, ravissant la de. Démon, je suis là. Putain. Ah, ok, la main, y'a pas de problème. Wolfie, Oh non. Et bah voilà, oh non. Oh non. Aïe. Putain, alors que tout était si bien parti. Oh merde. Ah, et maintenant il a une jambe cassée. Altération obtenue. Oui. Oh putain, what the fuck. Quelle mort horrible. Oh mais non. Ah, c'est affreux. Oh, te revoilà, Wolfie. Viens. Viens sur lui, promets-moi. Je le jure. Bien, Wolfie. C'est juste toi et moi maintenant. On a fait une John Wick inversée en fait. J'avoue. Une nouvelle tragédie. Au moins, le chien s'en est sorti. Dis donc, monsieur, j'imite les chiens comme une merde là. Tu te vois pas, merci. Non, mais c'est qu'elle est partie. Justement, je te l'ai donné. Oui, mais t'aurais pu te sauver aussi. Ouais, c'est bon, moi encore. Oui, pardon, chute. En effet. Non, c'est bonjour, c'est ce personnage qui a dit chute. Oh la tête! Putain, mais attends, mais quoi? Là, il faudrait une attends, fois vraiment. Attends, bien sûr. Vas-y. Bien sûr. Attends. C'est une fille, on rappelle. Hein. J'ai beaucoup de son.
Oui, son nom est très joli, oui. Qui ose s'opposer à moi? Ken? Où sont les mages? Ils étaient censés s'occuper de des mobs. On va aller chercher, retenez-la le plus longtemps possible. Sortez de vos cachettes, que les coupables se dénoncent. Non, moi je reste. La catapulte. On n'a qu'à tirer sur la démone. On a gardé un boulet, j'espère. Attends, tu veux pas savoir ce qu'elle veut avant? Allons-y. Oh, je vais négocier, je vous préviens. Négocier, c'est pas pour moi. Tirer à la catapulte, qui peut le faire? Personne peut le faire, hein, d'accord? Bah, réunissez les munitions. Non, fais... Laisse-moi faire. Fais pas tout foirer, Étienne. Fais pas tout claquer, Étienne. Étienne, fais pas tout foirer. Oh, et puis merde. J'ai pas plus de chance que vous, frère. Tu pouvais ramasser les munitions plus quand même. Putain. Démon, peut-être pouvons-nous trouver un terrain d'entente. Allez, essayez de me convaincre de ne pas tout détruire. Coucou Zougi. Distante de vos... Coucou Zougi. Bonjour. Allez, voilà. Réussite critique. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Parce que t'as claqué deux balles, Lucie. Et alors? Nous ne souhaitons pas te convaincre, mais t'écouter. Pourquoi attaques-tu Varna? Parce que Varna a séparé les démons du reste du monde en érigeant cet immense mur. Eh, le mur de Varna sert à protéger la ville des dangers de l'Osmanli. Ah, c'est donc ça l'histoire qu'on apprend de l'autre côté du mur. Démons. Discutons-en avec les habitants et trouvons la solution ensemble. Je suis prêt à négocier, mais est-ce que les habitants de Varna le sont? Ah. Alors, dans ce cas, nous obligerons le roi Aksar à le faire. J'aimerais partager votre optimisme, mais vous ne le connaissez pas comme je le connais. Il faut réunir un maximum de projectiles. Ah non, moi j'attaque plus en fait. La sautille. Qu'est-ce que vous faites? Je savais bien que je ne pouvais pas vous faire confiance. Et ben voilà. Allez, vas-y, rate. Ouais, là il faut que je rate là. Critique là. Critique là. La réussite critique. Au secours. Incroyable. Voilà pour toi. Oui. Oh, une hache. Ah bon? Encore une hache. Oh. Mais attends, mais elle est plus 10 celle-là. Oh, la Kimbo. Elle est plus 10. Bon, il va être à combien en combat? Je crois qu'il est à 90 là, il est au plus haut. 82, what the fuck. Ah, et il a 16 PV maintenant. Ouais. Et vu que j'ai fait un critique, ouais, je réattaque. Et j'en ai d'autres pour toi. Ah ouais? Putain, je lui en veux, hein. Y'a quoi derrière? C'est juste une planche. Putain. Encore? Ah ouais, tu lui défonces sa gueule. Je lui en veux, hein, putain. Arrête. C'est terrible. Ça s'arrête jamais. 4, ça suffit. Aïe. J'ai plus de munitions. Ah, c'est parce que je t'en ai donné, c'est pour ça. Ah bah oui, là, oui. Ça suffit comme ça. Assez perdu de temps. Oh. Ah, ils sont venus, oui. Emon, tu ne feras plus de dégâts aujourd'hui. Nodel, mets-toi en position. Ah non, vous allez pas me repousser derrière le mur. Ah. Ah, je vous en prie, sauvez Chris, je vais me débrouiller tout seul. N'écoutez pas ce grand Benel, c'est lui que vous devez sauver. Ah, moi je sauve personne. Taisez-vous. Impossible de la faire lâcher. Il faut se mettre à plusieurs. Libérez, prends-moi à sa place. Laissez-moi vous compter ma balade. Je vous ai déjà parlé. Attends, pourquoi tu as combien de bonus là? Tu sais quoi? Non, mais je suis à fond. Juste pour ma grandeur. Je prends. Voilà. Ah, non, j'ai que plus 5, je peux pas faire plus 5. Je vais faire ça. Oh, si, tiens, ça va, j'ai plus 5. Non, mais j'ai déjà plus 5 ici. Non, relâche nos deux. Non, mais je t'inquiète, hein. Et prends-moi à sa place. Alors, juste pour savoir pourquoi on est inversé en fait.
Mais c'est toi qui est parti. Du coup, ah oui, mais moi j'étais en mode side, je vais pas me donner en fait. Comme tu veux, tu ne fais que repousser sa mort de quelques minutes et d'avancer la tienne. Et moi, voilà. Pourquoi t'as acheté ça? Quelle poigne. Pensez que votre force de moustique peut rivaliser avec ma poigne. Démon, je vais te faire lâcher notre camarade. J'aimerais bien voir ça. Oh, allez, lâche-le. Qu'est-ce que je vous disais? Démon, relâche les prisonniers, s'il te plaît. Ah oui? Et pour quelle raison je ferais ça? Allez, le petit crit. Ah, on va mobiliser les fans. Non, ça sert à rien, je crois, c'est ça? Utilise au moins un fan, je dirais. Ouais, sûr. Ouais, hein. Comme ça, même si tu fais un 100, ça passe. Let's go. Excuse-moi. Le pardon est la vertu des puissants. Prouve ta force en délivrant ces personnes. Mais, bordel. C'est bien dit. Je vais récompenser tes belles paroles en vous pardonnant. Ouais. C'est beau. Qui ça? J'avais peur de te perdre. Idiot. Pourquoi tu as voulu sacrifier ta vie pour moi? Le roi est stupide. Te voilà, démon. Hors de notre ville. C'est donc comme ça que vous récompensez ma mansuétude. C'est à quoi mansuétude? Mansuétude, c'est grandeur d'âme, quoi. La grandeur d'âme. Ouais, en gros. Par la force combinée des éléments, démon. Nous te repoussons. Nous te repoussons. Oh. Écartez-vous, je m'occupe du reste. Non. Suivons-la, nous devons la repousser hors de la ville. Suivez-nous. Qui la faisait call, là? Personne la faisait call, là. Je pense qu'on l'avait pas entendu du début, c'est pour ça. Ouais. Non, on n'avait pas encore vu. Abandonnez, vous n'arriverez jamais à me vaincre. Je le sais, mais j'ai pu retarder ta victoire. Majesté, non, n'utilisez pas ce sort. C'est la seule solution. Pour Vara. Démon. Par mon pouvoir, je te scelle hors de la ville. Waxa. C'est devenu une statue. Ah. Non, vous ne me retiendrez pas éternellement, je reviendrai. Est-ce que je serais pas dans la merde en étant un démon aussi, techniquement? Bon. Elle a raison. Le saut d'un roi ne dure quelque temps. Ah oui, c'est vrai, c'était moi qui devais éclairer mon sort. Vas-y, hein. Vous, l'armée d'Aria, je vous demande de partir pour la ville d'Ainsterpoli. Akaban. Akabané. Tu veux les envoyer chercher un chasseur de démons? Ah bon, bah quoi? Chasseur de démons? Hein? Chasseur de démons? Oui, lui seul possède la magie de voir le vrai nom d'un démon et de le vaincre. Partez vite, le temps presse. Et c'est là qu'en fait elle s'appelle Gertrude. Ce serait carrément possible. C'était mais pour oui, ça qu'il y avait un mystère sur son nom. Le père quoi? Par le démon et y survivre, let's go! Waouh! Et on n'a pas pu sauver le chien. Let's go! On n'a pas pu sauver le chien. Enfin, si, on a sauvé stonks. Le chien techniquement. Mais... On a rien eu comme point là. Moi j'en ai eu deux. Bon, il a stonks de fou. Ouais. Bon, bah, c'est quoi ça? Bah, il a pris les coffres. Ah oui, putain, ça coûte 2 maintenant pour. Ah ouais. Ah, ça coûte 2 ou 3 hein, même. Hein. Là, mes trucs, moi j'ai gagné 2%, ça m'a coûté 3 étoiles. Ouais, moi aussi. Je sais pas si c'est. Enfin, moi ça a coûté 2, mais. Je sais pas si c'est une bonne idée quand même. On est sur une bon, c'est pas grave. Pendant ce temps, Bonne Fortune est passé d'un voleur à un guerrier akimbo avec deux haches. Oula. Ouais, Auron, c'est devenu le guerrier quoi. Oui, en même temps, Auron, c'est toujours un peu le barbare. C'est toujours un peu le barbare, Auron. Oui, c'est vrai. Toujours là à distribuer des mandales et à crier sur les gens. Est-ce que c'est la personne que je pense? Quel triste paysage. Il n'y a rien à voir à part des montagnes à perdre de vue. Ah non, c'est pas lui. Qui fait Oberon? Au nom de la couronne d'Aria, je tiens votre assistance. Quoi? Je poursuis un dangereux magicien depuis Aria, mais j'ai besoin de votre aide. On se demande qui c'est, hein?
Il est sur le point de récupérer un artefact maudit. Nous devons l'attraper avant. Bah, c'est qui, on se demande qui c'est? Bah, c'est Shazam, je suppose. On n'a pas le temps. Non, désolé, nous avons une affaire bien plus pressante à résoudre. Quoi? Vous pensez pouvoir refuser un ordre de la couronne d'Aria? Et j'ai le sceptre, hein, fais gaffe. Vous allez me suivre tout de suite, sinon... Je vais aller le dire à la reine. Fuyons! Mais la reine, elle nous a demandé de s'occuper du village d'à côté, fais pas chier. Bah oui, enfin, c'est quoi cette histoire? C'est un imposteur, ce mec. Oui, totalement, ouais. Ah bon? Oh putain, la gueule. Vous êtes qui, vous? Vous venez de voler l'amulette d'Arcana. Vous voulez. Non, nous cherchons juste à rejoindre Esten Poli. Vous n'avez pas pris le chemin le plus court. Mais dites-moi, vous n'auriez pas croisé un homme louche sur la route? Oh si, il était très louche. Nous avons croisé Oberon, oui. Oh, Oberon, j'en étais sûr. Cette fouine me suit partout depuis des semaines. Merci pour votre aide. Ça vous, je vais pouvoir lui tendre un piège. Pas de soucis. J'espère que ça va pas nous retomber dessus. C'est pas grave, mais ça a l'air d'être un con de toute façon. J'espère que ça va pas nous retomber dessus. Hein. Bon, même si c'est le cas, c'est pas grave. Moi j'ai toujours le bidule inutile du magicien, hein, by the way. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Je sais vraiment pas ce que j'en fous. J'ai rien à un shop parce que je commence à avoir plein de trucs dans les poches. Pareil, pareil. À la recherche d'un chasseur de démons. À la soupe. Alors que vous commencez à ressentir la fatigue du voyage, vous découvrez un étrange village. Étrange village. Rencontrer la dernière habitante du village, repartir avec le couteau de la sorcière, fabriquer un golem. Petit couteau. Et fabriquer un golem. Oh, let's go. Fabriquer un golem. Ah. Médaillon rouillé, connaissance 3. Non, à moi. Bon, c'est pas moi. J'ai besoin de me régène. Merci. Je vais me mettre dans la soupe. Reprenons des forces. Ah, il y a d'autres trucs. Oh, une boussole. Ah bah tiens. Oh, carotte encore. Alors en vrai, j'aurais besoin d'un peu de heal aussi si vous avez. Ah, j'ai trouvé des trucs moi aussi. Qui? Pour qui? Moi. J'ai trouvé un gland et un œil de corbeau. Oh. Ah ouais, un gland. Bah tiens, il te manque un point de vie. Ah, merci. Alors pousse-toi un petit, mets-toi de côté. Qui c'est à moi? Oui, toi, bonne fortune. Qu'est-ce donc que ça? Merci. Toi, tiens, on va te mettre dedans. Bon, j'ai une boost, un médaillon rouge. Pardon, excusez-moi. On a perdu la route d'Esten Poli. Vous pensez que ce village est abandonné? Je m'en fiche. Enfin, je trouve quelque chose à merder. On vient littéralement me bouffer. Je le sens pas, on ferait mieux de partir d'ici. Ah, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Alors mes agneaux, on s'est perdus? Pauvre chouchou. Tiens, alors, vous tombez bien, j'allais justement préparer ma recette spéciale. Oui. Bonjour. Mais où ai-je mis mon chaudron? Nani. Inspecter le chaudron, non. Bon, non, c'est quoi c'est cette, ce village? Moi, vous je n'avez demander. Pas plus difficile? Quoique, faudra lui demander où est Star Police alors si on sait pas où. Vous voyez ce que je vois? Banco. Excusez-nous, nous cherchons le chemin des Star Police. Il y a quoi au pied? Oh, des yeux de corbeau. Ça oui! Ah. Tout se passe mieux quand on reste poli. Non, Et Star Poli, la ville. Oh, une destination peu recommandable, mon chou. Et ce village, qu'est-ce que c'est? On l'appelait le village des 30 sœurs, bien sûr. Maintenant, il n'y a plus que moi. Où sont passés les gens? Oh, mes sœurs ont déménagé quand les soldats ont attaqué. Enfin, celles qui ont survécu, bien sûr. Il m'intrigue, ce chaudron. Le gars, il qu'est-ce qui se passe si, si je rate mon lancer de dé là? Tu vas tomber dans le chaudron. juste. Il y a des os là-dedans, mais des os de quoi? Assez bavardé, mes chatons, aidez-moi plutôt à cuisiner. On va vraiment obéir à cette sorcière? Littéralement. Si vous voulez que je vous indique le chemin d'Estine Poli, bien sûr. Oui, évidemment. Commencez par relancer le feu, le temps que je me souvienne de la recette, voyons voir. Alors,
Bah, je vais aller chercher du bois, hein. Je suis celui qui est le plus beau, donc bon. T'as le meilleur truc pour souffler sur le feu, hein, quand même, hein. Ouais, moi, non. Dis, si, t'as vraiment le meilleur truc pour souffler, de tout, oui. De tout le monde, ah merde. Moi, je vais les. Ou alors, en vrai. Va chercher du bois. Non, va chercher du bois. En vrai, moi, je peux m'occuper d'agiter les braises. C'est moi le meilleur sur l'agitage de braises. Parce que sinon, moi, je peux aller. Toi, tu peux lui raviver la mémoire. Mais tu peux raviver. Moi, je pense que c'est important. Ravive la mémoire. Non, aller chercher du petit bois, aller chercher. Oui, voilà, je pense que c'est ça. J'entrevois tactique, j'apprends. J'allais dire, allez, paf, aller chercher du bois, mais. C'est vrai que si on n'a pas de. On n'a pas de branche, ça sert à rien de souffler sur. Vous n'avez pas un aide-mémoire quelque part? Excellente idée, mon chou, je n'ai qu'à demander à ma boule de cristal. C'est vrai. Ça marche aussi. Alors, il faut des légumes, des épices, des choses vivantes et d'autres mortes. ça va, j'ai un œil. Pardon ? Oublie ce que j'ai dit. Tiens-moi ça, mon chaton, j'en ai plus besoin. Oh, la ah boule. Bon ? Super. Attendez. Waouh ! Oh non, bah non, bah connaissance, évidemment, c'est pour Galacta. Ah, bon bah tiens, Galacta. Évidemment. Eh ben. Tenez, prenez l'œuf. Alors là, comme le répéter deux fois. Moi, c'était pour moi, c'était censé être tiens, pour moi. C'est de la boussole à la place. J'ai perdu non, un peu de connaissance, voleur. Mais je vais garder la perception. Voleur. Voleur. Quoi? Mais non, t'as une boussole, tiens, vas-y, prends la boussole. Mais c'était pour prends moi à la base. Prends la boussole. Prends la boussole. Moi j'ai pas d'argent, regarde, je suis quasi pauvre. Voleur. Je suis quasi pauvre. Comment on allume un feu déjà? En plus, t'as tout l'argent du monde, toi. Les braises sont encore un peu chaudes, je vais les remuer. Voleur. Merci de remuer avant que je secoue, avant que je souffle. Easy game. Bien joué. Et à chaque fois tu fais une ça y est, le feu sera vide. Aidez-moi. Ou il va s'éteindre. Non, je crois pas que mes fans se gagnent comme ça. Hein. Si, je regarde depuis tout à l'heure. Dès que tu fais une réussite, tu gagnes un fan. Ah bon, mais je suis à 4 depuis tout à l'heure. C'est mon max peut-être. Non, ça t'est passé à 5. Ta réussite t'es passé à 5. Attends. Ouais, non, ça y a rien qui peut changer le coureur sauté. Pourquoi souffler sur le feu c'est courir sauter? Bon, aucune idée. Bah c'est t'as besoin de souffle. C'est parce que le bois c'est parce qu'il force. Voilà, on a un bon brasier. C'est vrai. Il nous faut de quoi l'alimenter désormais. Je pense que t'as pas besoin d'utiliser d'argent, on va s'en rapisser. Bien sûr. Ah dommage. Bon d'accord, j'ai rien dit. Il va se péter une jambe. Tiens. C'est juste pour tiens, d'accord de... Tiens. Moi dans cette forêt. Je l'ai pas eu. Tiens. Non, c'est que pour tiens, arrêtez. Il y a du bois dans cette forêt. C'est tiens qui reçoit une taxe. Bah oui, parce que son passif il est lié à l'argent. Monsieur, faut passer. Il l'a dit. Pardon. Impossible de trouver du bois dans cette forêt. Donnez ce que hé le beau bûcher, ça me rappelle mes premiers rituels. bûcher. Je me rappelle parfaitement le début de la recette. Oh, tiens, chez toi, il y a un énorme courant d'air, lave-vaisselle. Ah ouais. Je sais pas. Allez dans le champ chercher deux légumes différents et un fruit. Oui. Oh non, j'ai un fruit. Oh chut. Et voilà, maintenant. Et maintenez bien le couvercle en place, mes agneaux. Cuisiner. Vite, récupérer un champignon, récupérer une carotte, deux légumes et un fruit, une figue. Pas besoin de figue, j'en ai. C'est bon. Non, mais. Vite. Voilà, c'est bon. Mais j'en ai une. C'est un abricot, on s'en fout. Une figue. Pareil. Oui, je disais pour le fruit, ok. Oui, il faut deux fruits différents. Champignon et œuf. Oh, j'ai une tomate. On est d'accord que c'est un légume. Alors, techniquement, c'est un fruit, mais. Gardez-les de côté. Voilà un légume. Au cas où je peux utiliser un abri. Vous avez vu les tombes derrière la hutte de la sorcière? Bah non, on n'est pas parti de ton côté. Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Vous avez les trois ingrédients, ne soyez pas timide, remplissez le chaudron. Mettez pas la tomate. C'est cadeau. Voilà. Je vous le dédicace. Un fruit. Je peux vous le dire. Ok, elle a dit ça comptait pour les deux. Splendide, vraiment splendide, oui. Et maintenant, on fait quoi? Non, mais c'est une soupe de légumes pour l'instant, donc. Ah oui. Ramenez-moi quelque chose d'animal et quelque chose de végétal. Ok. Ah, et puis quelque chose de très fort pour relever le tout. Ça bouillonne un peu fort, il faudrait peut-être laisser la vapeur s'échapper. Ok, bon, bah je le retiens pas alors. Change de rythme.
Alors, je récupère l'alcool fort. Je récupère un trèfle. Moi, j'enlève le couvercle. Non, un rang, c'est vrai. Ouais. Au fait, les tombes, on aurait pu dire à elle. Ouais, mais je pense que. Bah, si, on avait quelque chose au végétal, il y avait déjà le bricot. J'enlève le couvercle, ça devrait régler le souci de vapeur. T'es cherché quoi, Coquette, déjà? Un trèfle. Moi j'ai trouvé de l'alcool de mouette. Croyez-moi, ça déménage. L'alcool de mouette, mon dieu. Ouais, laissez-les tranquilles. J'ai réussi à attraper un poisson. Bravo. Poisson. J'ai le végétal. Incroyable. Allez, ce chaudron va pas se remplir tout seul. Je vous le dédicace. Continuez en rendant. Chose animale, c'est bon, et l'ingrédient végétal, c'est bon. Et voilà. C'est quoi la suite? Et là, je vais demander. Il me faut des os de quelque chose qui vole. Ceux de quelque chose qui nage. Et puis un animal très petit, le plus petit possible, oui. Moi, je continue à m'occuper. Les ingrédients sont de plus en plus étranges. Qu'est-ce que c'est que cette recette? Et ensuite, on mélange! Ok, t'inquiète, je vais m'occuper de ça. Alors, Ah non, ensuite, on mélange. Un insecte. Je me suis fait tout seul. Ouais, crame le corbeau, c'est mieux. Mais non, il faut battre la mixture. Battre la mixture. Ah non, c'est après ça. Ouais, elle a dit après, elle a dit après. C'est ouais. Elle a dit, et ensuite, on mélange. Ouais. Bon, attendant, je vais poser des questions. Dites, cet ingrédient, c'est pour une potion magique, n'est-ce pas? En plus, c'est bien, c'est la un c'est quoi celle qui a un démon. Un poisson comique. c'est la meuf qui a un démon en elle. Enfin, j'en suis sûr, elle le fait exprès. Elle nous cache quelque chose. Sans blague. Les os d'une chose qui vole. C'est sinistre. Oh, très joli cœur. Bah. Pour l'animal, j'ai trouvé le plus petit possible. Oh, une coccinelle. Il est un peu plus petit, je pense, mais. C'est bon pour le squelette de poisson. Oui, logique. Et il donne quoi le bec? Il donne rien. Il va être malade. Ah. Non, retire-le. Ne donne à personne. Ah, j'ai trouvé la recette au fond de sa hutte. Ça parle de sacrifier une vie. Ah bon? Oh, d'accord. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Oh, le petit construire plus 5. Allez. Galacta est officiellement notre constructeur. Ouais. Galacta est officiellement notre constructeur, non? Ah, d'accord, ok. Ah, je sais pas. Ah, oui, t'as déjà des stats, toi. T'as déjà des stats en artisanat. Maintenant, bah, il faut le donner à tienne. Ouais. Attends. Ouais. Retire un petit truc. Bon, je vais le poser là. Viens. Là où il est. Tu fais ton inventaire, tienne? Ouais. Ouais, je réfléchis. Ah, papa, il est temps d'ajouter les ingrédients. Je vais poser l'insecte. Cet objet a bien vécu. Je ferai une note de fête. Adieu, précieux loot. Très bien. Maintenant, laissons un peu mijoter. On pouvait aussi skipper la recette, hein, by the way. Hein. Oui, c'est vrai, ouais, mais. Tiens. Non, pardon, pas moi. Ouais, on a tenu notre part du marché alors. Où est Eston Poly? Suivez les montagnes vers le nord-est jusqu'à la mer Marmoréenne. Mais pourquoi vous voudriez vous rendre à la cité des démons? Des démons? Attendez. Non, la potion est presque prête, voyons voir ce que ça donne. Oh, j'ai fait tomber ma louche au fond du chaudron. Ça va gâcher la recette, quelqu'un peut la récupérer? Dans le chaudron. Mais certainement pas. Minerez-vous la potion. Oh oui, évidemment. C'est moi qui ai le plus haut techniquement, mais très clairement on va le voir. Eh, on finit sa potion. Hein. Je dirige l'opération. La pauvre. Récupère la toile, ta louche, sorcière. Au fond, je suis comme. Je vais regarder déjà les tirs de chacun. On sait jamais. Ok, bon, c'est bon, on a déjà un truc. Aïe. Ouais, ça devrait aller. Ah, d'accord, ok. Oh, ah, on compte sur toi. Critique, ça devrait passer. Comment la dent de force? Viens voir mes bébés la donne. Aïe. Attention, elle est armée. Ah. Oh, à moi. Oh, wow. À moi. Ah, le couteau. À moi. Oh, à putain. Moi, non, artisanat à construire, c'est pour tienne encore. C'est pour tienne encore. À moi. Merde. Artisanat. Mais t'as encore foutu la merde. C'est bon. Laisse. Mais donne-le à tienne. Donne-le à tienne.
Je le donnerai après la fin de la mission, quand j'aurai mon étoile. Mais connard. Mais t'es déjà le plus maxé ou tout? Oh le moi. Il n'y aura plus jamais personne, sorcière. Non, ça ne devait pas se passer comme ça. J'en ai si gouillé des tas des fripouilles comme vous. Il y a encore des gens pour frémir au nom de Bella. En touillant assez fort, on va la réussir cette potion. Bon débarras. Oh le golem. Ah le golem. Mouf. Comment ça mouf? Non, le vendez pas, s'il vous plaît. Je veux cette balle. Attendez, poussez-vous. Je mets mouf mouf dans mon inventaire. Non, déconnez pas. J'ai personne à la place. Tenez, je vous donne un poisson contre mouf mouf. Non. Enfoiré, tu m'as piqué mouf mouf. M'en fous, je garde mouf mouf. C'est mon putain, pote. Enfoiré. Bébé golem, qu'il est mignon. Eh, je te rappelle, c'est moi qui fais avec le démon. Donc voilà. Attendez, on a transformé la sorcière en ce truc. Par contre, gardez l'œil, je suis sûr qu'il servait à quelque chose. C'est une amélioration, à mon avis. Assez traîné, allons chercher le chasseur de démons. Je voulais mouf mouf, putain. Je savais pas qu'on pouvait remplacer un objet de l'inventaire. Je savais pas qu'on pouvait remplacer un objet de l'inventaire en prenant les trucs. Moi non plus, je l'ai fait au hasard. Si. Je suis sûr que le médaillon servira à quelque chose. Mais non, il sert à rien. Après, il coûte 3. Ah non, il coûte 1. Il est rouillé. Il coûte 1 aussi. Oh, moi je. Ah ouais, mais moi je prends un truc qui se vend. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il laissé le. Le Discord. Quel enfer. J'ai explosé le chaudron. Oh, let's go, all stonks. Ouais, bon, c'était un gros. Putain, au moins il se met trop bien en ouais, ce moment. Ouais, non, mais il se met trop bien. Alors, recommencez la mission. Il a pas voulu me laisser le couteau juste pour vendre plus alors que c'était. Connaissance, c'est combattre ou discrétion. Oh non. Je me sens meilleur. Vas-y, j'ai plus de points. On est sur une bonne courbe. Un nouveau répertoire, s'ouvre-moi. De toute façon, en vrai, si je vends le golem, je partagerai avec. Non, mais jamais tu vends Moufmouf, par contre, je te préviens. Bah voilà. Tu voulais le vendre, j'étais sûr que tu voulais non, le vendre. Non, je voulais pas le vendre, t'es ouf ou quoi? Si, t'as dit que tu voulais 7 PO. Mais non. Ouais, ouais. Mais vous êtes moi, malade. De toute façon, j'avais dit que je voulais le garder pour le protéger. Jamais je le vends, hein. Ouais, moi non plus, je vendrais pas. Comme la dague, je le garderai. Qu'est-ce qui se passe encore? Stun Poly, enfin. Méfiance, on ne sait pas ce qui nous attend ici. Ah, petit enfant. Oh là, petit citron. Doudou, doudou, mon doudou a disparu. Faut que je vais bien le retrouver. Oh là là. Ouais, c'est forcément un piège, mais let's go. Allez, acceptons. Bien sûr, il ressemble à quoi ton doudou? Il ressemble à un golem, alors on va te faire foutre. Vous avez accepté de m'aider, c'est vrai. Mon doudou a de longs poils roux, de beaux yeux jaunes et un grand sourire. Oula. Et la dernière fois que j'ai vu, il est parti par là. Alors c'est parti. Très bien, reste ici, je t'apporte ton doudou dans un instant. J'ai oublié de prévenir qu'il faisait 4 mètres de haut. Ouais, c'est ça. C'est sûr. J'ai oublié de dire qu'en avec fait, c'est un amalgame de trucs. Je m'occupe du prochain. Vas-y, vas-y. Aucune trace de ce doudou. Putain, c'est vrai, j'ai un fou. C'est toi qui as cliqué. Ah merde. Ah, bonjour madame. Au secours! Il faut que vous m'aidiez, une démon veut me dévorer! Bah, combien c'est le doudou? Oh, il s'appelle non, Niju, elle a pas les yeux connu. Jaunes. Oui, c'est Niju, lui. Et voilà. C'est lui. Arrête ah, pardon, toi, excuse-moi. Sale voleuse, je déteste courir après mon déjeuner. Doudou! Poil rouge, ce grand sourire, c'est le doudou dont parlait le gamin. Et surtout une démon sanguinaire, protégez-moi! Laissez-moi manger cette voleuse, ça lui apprendra à voler les honnêtes gens. Est-ce qu'on veut sauver le gamin ou on veut sauver la madame? Bah on va prendre le parti de la démon, on va pas attaquer Doudou. Vous avez raison, tout vole mérite châtiment. Oh, très bien. En plus je suis une démon, hein, je rappelle. Bien sûr. Bien dû. Au revoir ni vu ni connu, vous étiez très belle. Ouais, non, mais c'était juste quelques pièces d'or. Eh ben on va les récupérer. Nom. Miam. Nom. Une bonne chose de faite. Au fait, je crois qu'il y a un enfant qui vient dans la ville à votre recherche. Petit citron, je l'avais complètement oublié. Tenez, c'est pour vous. Ah, c'est et facile à lire leur encore. Nom. C'est facile à lire leur nom, du coup, je oh, crois. Plus 5. C'est donc ça, Insterpoli.
De quoi tu disais? Leurs noms sont faciles à lire, il faut lire en double symétrie. Symétrie horizontale, symétrie verticale, et c'est bon. Non, symétrie verticale tout court, je crois. Je sais pas, j'ai pas remarqué. Il y a que des démons, il avait quoi que ce soit, il y avait aucune lettre qui ressemblait à quelque chose. Il vous faut maintenant trouver la piste du chasseur de démons et éviter de tomber dans les nombreux pièges de la ville. Pour une enfant de plus, sympa le nom. Repartir à 10 pièces d'or. À 10 pièces d'or. Putain! Vendre tout votre stock sans perte. Oh, oh ouais. Sans perte! Wow. Moi je vais réussir, moi. Je vais les vendre hyper bien les trucs. Les cocos, il va falloir qu'on s'arrête immédiatement tout de suite. Donc je vais cliquer sur sauvegarder et quitter. Il est 22h43. Ah, ouais. C'est l'heure d'aller au dodo. Effectivement. C'est l'heure d'aller au dodo.